Mon ennemi, c'est la finance, a dit un jour quelqu'un qui, à la suite de cela, devait être élu président de la République. Euh, cette petite phrase est révélatrice de euh, l'opinion publique que les gens ont de la finance. Mais finalement, derrière ce mot finance, qu'est-ce qu'il recouvre Est-ce qu'il n'y a qu'un modèle de finance Y a-t-il un modèle dominant de finance et Y a-t-il d'autres modèles dominés de finance Y a-t-il d'autres manières de faire Y a-t-il des problèmes à cette finance Et y a-t-il des moyens de les résoudre c'est un peu tout ce que nous allons explorer au cours de cette conférence. On y reviendra plus en détail. Bonsoir à tous et merci d'être venus ici ce soir. Je me présente, je m'appelle Florent Guignard. Je suis le cofondateur d'un journal qui s'appelle Le Dranche, euh, qui est un journal qui, pour chaque question, présente euh, le pour et le contre, écrite par deux personnes compétentes, légitimes et engagées. Le but étant que chaque citoyen puisse se forger sa propre opinion sur l'actualité dans le but de devenir un citoyen engagé. Je suis très heureux d'animer cette conférence auprès d'Eva et de lita.co qui nous accueillent ici ce soir. Merci beaucoup d'être présents. Cette conférence sera un tout petit peu particulière puisqu'elle va être interactive. Le but n'est pas que vous écoutiez mais aussi que vous participiez. Euh, on va vous expliquer et on va prendre le temps de vous guider au fur et à mesure. Pour cela, une première étape assez technique, il va falloir vous connecter au Wi-Fi puisque je pense que sauf si vous avez un portable euh, surprenant, normalement vous ne captez pas ici. Donc il va falloir se connecter au Wi-Fi de la BNF. Et de cocher à la suite de la connexion la case Accepter », ce qui vous permettra d'avoir accès, euh, accès à Internet. Une fois que vous, vous serez connecté au Wi-Fi, on va vous expliquer, mais vous aurez des questions à remplir sur l'URL qui s'affiche en bas à gauche, qui est ledrange.fr/sondage au pluriel. Et on va vous guider ensuite, étape par étape, pour remplir les questions au fur et à mesure de la conférence. Euh, la, cette conférence va donc se dérouler en deux moments une première petite introduction, une première table ronde. Où l'objet de la table ronde sera d'explorer en fait ensemble les, euh, les problématiques et les limites du modèle dominant de la finance et de questionner aussi cette, euh, cette notion de même de modèle dominant. Dans un second temps, une seconde table ronde nous permettra d'explorer des solutions avec des personnes qui concrètement ont choisi en fait d'entreprendre et de changer, de transformer euh, ce modèle dominant de la finance. Je laisse la parole à Eva euh, qui va vous présenter lita.co un peu plus le but de cette soirée et on reviendra ensemble pour la première question qui nous permettra de tester si votre connexion internet fonctionne et si les premiers sondages fonctionnent. Merci. Bonjour à tous. Donc merci euh, d'être venus euh, si nombreux dans le 13e, avec cette entrée assez complexe à trouver. Euh, je suis ravie de vous accueillir. Donc moi je suis Eva, la présidente de lita.co. Euh, je travaille depuis cinq ans dans le secteur de la finance solidaire. Avant ça, euh, j'ai je suis pas très vieille comme vous pouvez le voyez ici j'ai fait des études de commerce et je me suis toujours intéressée au secteur financier j'ai fait une licence de maths en parallèle parce que pour moi depuis tout jeune j'ai mon bac en 2008 donc on va dire que même je suis même une enfant de la crise financière c'est il y a mieux en fait hein, comme, comme berceau euh, j'ai toujours grandi dans le secteur économique avec cette idée que le secteur financier était déconstruit était opaque et était très mécompris aussi par beaucoup d'acteurs était aussi utilisé euh, par des gouvernements politiques pour servir effectivement une politique économique était utilisé euh, par des acteurs financiers pour promouvoir un modèle néolibéral etc. et finalement peu de gens savaient vraiment de quoi il s'agissait, savaient pas faire la différence entre les différents types de finances et même son objectif. Et en poussant et en regardant, et puis la vidéo qu'on vous a montrée dresse aussi le constat assez fatal, assez complexe, du fait qu'aujourd'hui, le secteur financier s'auto-alimente et finalement, on n'est plus au service de l'économie réelle. Et c'est pourquoi, avec mon associé Julien, en 2013, on a décidé de travailler sur un modèle qui permettait de reconnecter les particuliers avec la finance et également de démocratiser l'économie. Parce que finalement, la finance a contribué aussi à cette espèce d'opacité et cette mécompréhension aussi de comment l'économie fonctionne. Et pour nous, l'économie ou la finance, c'est très accessible, euh, c'est pas si complexe, et ça a été très galvaudé, etc. Et on pense qu'il manque aussi terriblement d'études économiques euh, en France et quand même dingue qu'on qu'on on les rouages après un baccalauréat, pendant des études supérieures ou après un collège lors d'un bac professionnel. Donc voilà, notre sujet, c'était de rendre la finance accessible à tous les citoyens et l'économie à tous les citoyens par la même occasion. Et pour nous, l'économie de demain, bah, c'est l'économie qui est durable, c'est une économie qui est long terme. Et donc, c'est l'économie sociale et environnementale positive. Et c'est pourquoi l'ITA.co est orienté sur cette thématique et qu'on permet au grand public d'investir en ligne dans des entreprises qui ont un impact social et environnemental positif. En France, en Belgique et en Italie, euh, on a une trentaine de personnes à travailler euh, sur ce sujet aujourd'hui. Euh, les représentants de d'Italie sont là et vous pourrez discuter avec eux pendant le cocktail. Mais là, le sujet, c'est vraiment de revenir à la source, parce qu'on a du coup beaucoup de nos investisseurs, beaucoup de notre communauté, des parties prenantes avec lesquelles on travaille, qui à chaque fois nous, nous vraiment, nous les questions vraiment, du constat de finalement qu'est-ce qu'on essaye euh, d'atteindre, comment est-ce qu'on objectivise ce, ce, ces problématiques aujourd'hui. Donc, on a décidé, on s'est dit, il faut, il faut en parler, il faut qu'on qu échange. Effectivement, c'est rentré aussi dans toute cette vague autour du grand débat. Euh, L'idée, c'est pas de polémiquer forcément là-dessus, mais plutôt euh, d'utiliser cette occasion pour échanger avec les parties prenantes, avec les acteurs économiques, avec les politiques, les décideurs et la société civile sur comment est-ce qu'on crée un nouveau modèle de finance et surtout de revenir à ses bases. Et La conférence de ce soir, son intérêt, c'est de pouvoir. Euh, vous, vous sensibilisez et démocratiser, mais également ensuite, cette conférence et les propos qui seront tenus seront réutilisés, rediffusés pour vraiment pouvoir faire de la pédagogie auprès du grand public. Parce que là, on est à Paris, on est entre, enfin, on est entre personnes qui avaient accès à, la, à cette information-là, et l'idée, ce sera vraiment de, de pouvoir la pousser euh, auprès du grand public sur l'ensemble du territoire et de réutiliser les propos qui seront dits ce soir. Donc, merci à vous d'être présents. Euh, merci aux intervenants aussi. On va peut-être démarrer avec euh, la première table ronde. Je te laisse peut-être introduire. Alors, pendant qu'on euh, invitera les premiers, les premiers invités sur scène, on va vous répondre justement et ça nous permettra de tester au premier sondage. En fait, quand vous vous connectez sur la page, donc leodrange.fr slash sondage au pluriel, vous allez avoir trois parties en fait, du sondage. Je vais vous demander de répondre là. À la première partie maintenant, et ce qui va nous permettre de diffuser euh, les réponses anonymisées à l'écran. Euh, donc, sur la première partie du sondage, vous allez répondre en fait, ça s'appelle Faisons connaissance, et ça va nous permettre effectivement de tester votre niveau de connaissance de la finance et qui vous êtes. Donc, je vous demande de le faire maintenant. Pendant que vous remplissez ce questionnaire, on va pouvoir appeler sur scène euh, les, premiers, euh, les premiers intervenants de cette première table ronde. Donc, je vais appeler sur scène euh, Laurence Sialom, Mathieu Orphelin, Thierry Philippona et Dominique Plion à nous rejoindre. La table ronde sera bien sûr... Euh, vous pouvez les applaudir, bien sûr. Vous pouvez les applaudir. Et la table ronde sera animée et modérée par euh, Eva Sadoun. Alors, prenez place. Et je vois que le sondage fonctionne, on va attendre encore quelques secondes et on va demander à la régie, pour tester justement notre solution technique ce soir, de nous projeter, de nous projeter les premiers éléments du sondage. Euh, donc votre niveau de connaissance de la finance, c'est la première question qu'on vous posait, 1 étant très faible, 5 euh, étant très bonne. Donc on se rend compte qu'on a quand même... Euh, une majorité de 4 et 5, une courte majorité de 4 et 5, on a quand même globalement des gens qui sont plutôt sur une bonne connaissance de la finance. Euh, si on passe à la deuxième question, on se rend compte effectivement qu'on a une majorité de professionnels hors secteur financier. Les résultats s'adaptent en temps réel normalement. Euh, on a effectivement ensuite, euh, je regarde, quelques, pas mal de professionnels du secteur financier, 27%, euh, beaucoup de personnes, un peu plus de 12% de la société civile et quand même 13% d'étudiants, le reste étant très peu, très peu représenté. Donc la solution technique fonctionne. Merci beaucoup d'avoir répondu, ce qui nous permettra, j'interromprai, je me permettrai d'interrompre la table ronde à certains moments pour vous poser des petites questions en lien avec la table ronde, et on commentera l'ensemble des résultats à la fin de la table ronde. Les intervenants auront le, le plaisir de découvrir en direct les résultats et de les commenter. Eva, je te passe la parole. Bonne soirée à tous. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est assez marrant parce que euh, ce qui m'a inspiré à lancer euh, Lita.co, c'était une vidéo que j'ai vue passer chez BNP Paribas quand je faisais mon stage en 2012, euh, qui, qui parlait notamment du, du combat euh, Monsieur Philippe euh, que vous avez mené <laughs> chez BNP Paribas pour justement essayer de démocratiser auprès des corporates et des dirigeants de BNP euh, cette problématique financière et, ça, et pouvoir les réveiller. C'est le département RSE qui avait fait cette vidéo et on parlait beaucoup de finance watch. Euh, donc je vais vous laisser en parler. Donc, euh, notamment, ce qui a pas mal inspiré votre, euh, votre, euh, votre engagement euh, se retrouve dans cet ouvrage qui est top, que le capital de l'abondance à l'utilité, qui essaie de décrire pourquoi est-ce que malgré l'abondance de liquidités qu'on a euh, sur les marchés, derrière, on peine encore à voir un développement du financement de l'économie productive. Mais vous allez en parler bien mieux que moi. Merci beaucoup. Écoutez, je suis, je suis très heureux d'être ici. Je pense que la logique, c'est de partager euh, un peu, peu ces expériences. Euh, à la base, effectivement, du, du constat euh, technique, j'ai envie de dire, qui, que, que, que j'ai pu faire, euh, je ne suis pas le seul à l'avoir fait il hein, faut relativiser les choses. Euh, euh, c'est vraiment deux choses. C'est le fait que euh, la finance, c'est quelque chose d'éternel. Voilà. La finance, il y en a, il y en a besoin, c'est un métier, c'est une fonction. Euh, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On parle souvent de produits financiers euh, nouveaux et autres. Il euh, y a très très peu de choses qui sont nouvelles. Il hein. euh, y avait des options à la bourse d'Amsterdam au XVIIe siècle. Hein. Alors après ça, on peut dire XVIIe e siècle, c'est pas loin. Mais ce que je suis en train de dire, c'est... Euh, voilà, on n'est on pas que dans le nouveau. Donc on a, on a une fonction éternelle. Après ça, cette fonction elle a un certain nombre de caractéristiques. la première caractéristique, c'est que la finance, c'est une activité qui a pour but d'orienter, pardonnez-moi, j'ai eu une évidence, l'argent vers une utilisation concrète, précise. l'argent, c'est quoi? c'est un contrat social. c'est une création de la société qui permet de faire des échanges, de produire, euh, de stocker de la valeur. Bon, on ne va pas faire un cours de, de, de théorie monétaire, mais c'est ça. Et après ça, il y a des modes d'organisation financière qui permettent de faire ce travail, d'orienter l'argent vers là où on a besoin, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent l'économie productive, mais c'est une expression un peu réductrice. En gros, les gens qui font quelque chose, que ce soit dans une entreprise, une association, dans, dans, dans la multitude des, 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 des projets qu'une société peut faire. Et puis, il peut y avoir des utilisations de l'argent bien différentes. Voilà. Euh, et à ce niveau-là, il y a un constat parce que je crois que vous nous incitez un petit peu à parler de, 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 de la façon dont on fonctionne. Euh, J'aime pas rentrer dans, euh, dans le manichéisme ou dans un monde où il n'y aurait que des gentils d'un côté et que des machins de l'autre. Donc ça, je ne crois absolument pas à cette, à cette division, que ce soit en matière financière ou autre. Ce que je suis en train de dire, c'est que par exemple, sur les sujets spéculation ou détournement du capital, de l'économie productive, pour prendre un, une expression un petit peu réductrice, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, pour faire simple, il y en a toujours eu. Le problème, de mon point de vue, et là il y a débat, c'est quand ça devient le modèle dominant. Ah, là on a un problème. Euh, ou quand c'est fait avec le soutien implicite de la société. Ah, tiens, là on a un problème. Parce que quand ça dégénère, euh, ce n'est pas ceux qui auraient gagné qui vont payer. Donc là on a des vraies questions. Mais de mon point de vue, et ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de. La difficulté de le faire, c'est que c'est un tout petit peu technique, donc il faut avoir envie de rentrer dans ce débat, mais c'est de serrer les problèmes pour euh, régler ces questions-là. Et puis, il y a une deuxième question, et évidemment, euh, vous avez évoqué Finance Watch, euh, voilà, qui a été créé il y, y a une dizaine d'années, euh, non, j'exagère, neuf ans maintenant. Il euh, y a le sujet, bon, on, on, on l'a vécu de la crise financière, où quand la finance, dans le système où on est aujourd'hui, euh, dégénère quand on a un accident. c'est pas l'accident seulement des gens impliqués. c'est le, leur problème aussi. il hein, faut pas non plus euh, caricaturer. mais ça vient le problème de tout le monde. la, la dernière crise financière, ça crée 50 millions de chômeurs au niveau de, de la planète. Euh, ça coûte 400 milliards d'euros aux, aux, aux différents budgets des, des, des états de l'union européenne. Euh, 400 milliards d'euros. Mis par les contribuables pour sauver le système financier. Alors derrière ce chiffre très important, il y a des, il y a des, des réalités très différentes. Parfois c'était des prêts, parfois c'était de, 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 du, du sauvetage pur et dur, parfois c'était des investissements en capital. Donc il faudrait raffiner. Mais, mais quand même, on, on voit tout de suite qu'il y, y a un vrai sujet. Donc il y a cette finance qui, quelque part, peut, dans certains cas, et clairement dans la dernière crise financière, euh, prendre la société, on pourrait presque dire, euh, en otage. Euh, et là, c'est un vrai problème. Et donc ça. Si on veut avoir une société euh, équilibrée, il faut résoudre ces questions-là. Et du coup, de quelles questions on parle Parce que j'ai vu, vu dans une interview que vous disiez euh, la vie réelle n'est pas mathématisable, comme si aujourd'hui le système financier fonctionnait dans des logiques plus ou moins mathématiques et du coup n'était pas adapté à la réalité économique. Ça, c'est mon interprétation. Euh, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui et quelle est vraiment la problématique aujourd'hui dans ce secteur financier Qu'est-ce qu'on essaie de sauver finalement bah, la, la problématique, alors là vous prenez un sujet, mais alors des sujets, il y en a tellement que je pense qu'on ne va pas pouvoir tous les prendre. Alors le sujet des mathématiques en finance, et Dieu sait si autour de moi il y a des gens qui sont tout à fait capables d'en parler de façon force vente, euh, euh, mais c'est d'avoir confondu l'objectif et le moyen. Euh, voilà, euh, vous êtes mathématicienne, euh, vous savez que les, les mathématiques sont un outil puissant, mais un outil, c'est un outil. Voilà. Donc, avant d'utiliser l'outil, il faudrait déjà savoir ce qu'on veut en faire. Euh, Est-ce qu'un marteau est une bonne chose ou une mauvaise chose Réponse, votre question est stupide. Un marteau, ça dépend ce que j'en fais. Voilà. Bon. Donc, euh, le problème des mathématiques, c'est qu'elles peuvent donner, et c'était typiquement le cas en matière financière, un, un faux sens de la sécurité. J'ai mis une équation, donc j'ai forcément raison, y a une équation, et c'est une équation, c'est entre guillemets par construction rigoureuse. Bah, réponse, non. Euh, je veux dire, la réponse... Ce que va produire votre modèle est contenu dans les prémices de votre modèle. C'est mécanique. Hein. Selon mes hypothèses de base, la façon dont j'ai construit le modèle, bah, le résultat il, il est automatique. Donc la première question, c'est qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire de mon argent Est-ce que j'ai envie qu'il qu aille à l'endroit qui m'intéresse Et l'une des façons... Que j'aborde, enfin que j'essaye d'avoir, de, de, c'est de dire quelle est la destination, presque au sens pour le coup philosophique du terme, quelle est la destination, quelle est l'utilité de ce produit euh, Est-ce que ce produit, déjà à la base, il a pour but de financer euh, des entreprises, euh, des associations, des gens, ou est-ce qu'il a pour but de faire autre chose Parce qu'aujourd'hui, on, on a deux cercles. On a le cercle d'une finance qui va financer euh, l'économie dont on a tous besoin, de mon point de vue. Et puis, on a un cercle qui fonctionne de façon quasiment déconnectée de ça. Et ça, c'est un vrai problème. Après ça, une fois qu'on a dit qu'il faut avoir une finance qui finance l'économie réelle, ça ne veut pas dire que dans l'économie réelle, quand il finance l'économie réelle, tout est simple et tout est parfait. Par exemple, le, le film que vous passiez, qui est très bien fait, hein, prend peut-être un ou deux raccourcis. Euh, parce que. Euh, euh, voilà. Quand elle va financer l'économie réelle, la finance n'est pas forcément parfaite. Le film le dit bien. Pour autant, déjà, quand elle finance l'économie réelle, c'est déjà mieux que quand elle va à, à destination de, 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 de choses qui n'ont juste rien à voir. Merci beaucoup. Euh, ça me permet d'enchaîner euh, avec vous, Laurent Donc, vous avez euh, récemment sorti un ouvrage qui est, qui est parfaitement dans le thème La fascination de l'ogre et qui parle. Achetez-le aussi. C'est beaucoup... la première fois que vous allez dans les rubriques économiques et commandez autant d'ouvrages sur la finance après notre conférence, je l'espère. Euh... Du coup, vous avez écrit un ouvrage qui permet aussi de dresser un panorama aujourd'hui des problématiques et notamment qui s'incarne dans les crises financières qu'on a vécues. Euh... Mais je vous laisse en parler mieux que moi. Vous voulez que je parle de, 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 de la fascination de Logue. oui alors c'est un ouvrage en fait euh, euh, qui, euh, qui qui porte sur euh, les, les raisons tous les tous les canaux par lesquels à mon sens euh, les politiques et la haute administration sont dans un rapport qui est un rapport euh, quasiment d'emprise psychologique avec le monde de la finance. J'ai failli l'appeler en finir avec le syndrome de Stockholm. Vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est ce syndrome par lequel les victimes qui ont été longtemps sous le joug d'un ravisseur finissent par adopter. Et à le défendre et à, et à voir. Bon. Et donc, c'est une espèce de soumission volontaire. Et donc, euh, et donc voilà, c'était le point de départ, c'était ça. Et c'est un, un livre qui se nourrit à la fois de mon expérience d'enseignante chercheuse, puisque je travaille sur les questions de stabilité financière depuis bien avant la crise. Je ne vous dirai pas depuis quand, mais depuis bien avant la crise. Euh, et tout le monde s'en foutait jusqu'en 2008, sincèrement, pff, franchement. Euh, et puis, la crise a. Développer des, euh, à, à donner des, des opportunités à des gens comme moi qui travaillent sur ces questions. On avait un petit peu d'avance parce que euh, Dominique en faisait partie aussi, hein, des gens qui avaient de l'avance là-dessus. Euh, des gens qui avaient travaillé sur l'instabilité financière et qui, qui sonnaient un peu la sonnette d'alarme. Euh, et donc des opportunités, c'est-à-dire des gens viennent vous voir et puis vous demandent de, de, de vous investir un peu. Donc ça a été par exemple Olivier Ferrand qui m'a demandé si je voulais travailler pour Terra Nova. Je ne sais même pas comment il est mon numéro de téléphone. Enfin bref, j'ai dit oui, je trouvais ça intéressant. Et puis comme on avait fait passer quelques notes, moi au moment du discours du bourget, j'y ai cru hein, naïvement euh, et puis après euh, j'ai donc fait des notes euh, réformer la structure des banques un enjeu démocratique majeur bon, et puis et puis ça a pris plus d'ampleur que ce que je pensais voilà ça m'a amené de fil en aiguille sans vraiment qu'au départ je, je soit une volonté hein, d'intervenir un peu plus dans le débat public. Et puis, euh, j'ai rencontré après Thierry, qui à ce moment-là euh, faisait la préfiguration de Finance Watch. Et puis, on a trouvé des convergences dans ce qu'on faisait. Alors, bon, après, voilà. Puis après, j'ai travaillé un peu avec l'Institut Veblen. Et puis voilà, les, les choses se font comme ça. Euh, c'est bon. Et donc, c'est ça. C'est aussi ça. Hein. Et donc, dans cette prise de, de parole dans le, dans le débat public, en fait, je me suis frottée aux pratiques des lobbies. Et en fait, cet ouvrage, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment à la confluence d'un travail académique et d'un travail, disons, une sociologue dirait, euh, euh, d'observatrice participante. Alors, au départ, je ne voulais pas du tout mettre euh, le dessous des cartes. Je ne voulais pas du tout explique, donner les clés conceptuelles de comment et pourquoi j'avais écrit ce livre. Et puis, euh, mon fils aîné m'a dit, tu devrais lire Les marchands de doute » un ouvrage de, 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 euh, de deux historiens des sciences américains qui, qui expliquent toutes les méthodes par lesquelles les lobbies du tabac, des pesticides, etc. arrivent à utiliser des scientifiques pour euh, affaiblir les réglementations et en discréditent tous ceux qui, au contraire, euh, euh, s'y opposent. Et à chacune de ces pratiques récurrentes, hein, je pouvais mettre quasiment un nom d'une personne qui avait vécu dans le domaine de la finance, moi compris. Euh, ces pratiques et je me suis dit non c'est pas possible tu fais le jeu en fait de, de ces groupes d'intérêt en ne le disant pas alors je l'ai pas dit beaucoup je l'ai dit très peu même en fait j'ai coupé plein de choses parce que ma crainte c'était j'en ai parlé beaucoup avec des gens qui me sont proches ma crainte c'était que ce, les journalistes ne s'emparent que de ça et donc du coup que le fond en fait disparaissent mais j'ai quand même voulu dire les choses euh, un petit peu dans, dans l'introduction et quel est pour vous, du coup, dans cet ouvrage, et puis, enfin, pour vous tout court, quoi, vous n'êtes pas un ouvrage, euh, le problème de cette finance dominante déjà existe-t-elle Y a-t-il une bien finance sûr, dominante hein, bien Et bien comment fait-elle pour continuer à perdurer cette finance Alors, dominante euh, qui bah, La finance dominante en France. Enfin, en Europe, vraiment, la, la finance est dominée par des mastodontes financiers, c'est-à-dire euh, notamment par des banques systémiques. On a un vrai problème de banques systémiques en Europe. Et un énorme problème, c'est que nos dirigeants présuppose que l'intérêt de ces géants bancaires converge avec l'intérêt général, ce qui est radicalement faux. La caricature de ça, c'est le gouvernement allemand qui essaye de promouvoir la, la, la fusion entre la Deutsche Bank et Commerzbank, c'est-à-dire que voilà, on va associer deux canards boiteux et on va faire un marathonien. Enfin, c'est absurde, c'est absurde. Euh, et, et donc, euh, et, et ça, il bon, n'y a pas que, hein, je veux dire, en France aussi, hein, euh, la défense de nos champions bancaires euh, fait, fait partie de. Donc voilà. Et, et, et donc, la difficulté qu'il y a à faire changer les choses, eh c'est qu'il euh, y, y, y a une culture de la connivence, enfin, il faut appeler les choses par leur nom, en France et à Bruxelles. Et, et c'est en partie alimenté par ces allers-retours euh, récurrents entre euh, des hauts. Des hauts fonctionnaires, des gens qui sont dans les cabinets et puis les directions de banque. Mais ça, c'est que la face immergée, ça, ça, c'est ce qu'on ce qu voit. Mais les canaux sont beaucoup plus profonds. Les canaux passent par la manière dont on forme nos futurs dirigeants. Dans la finance et, dans, euh, euh, et, et, et les hauts fonctionnaires. Bah, typiquement, euh, la, enfin, comment dire, je ne dis pas la finance verte, parce que la finance verte, à mon avis, ça galvaude beaucoup, mais la question du financement de la transition écologique, la question euh, des risques financiers climatiques, la question finance et inégalité, la question finance et gouvernance des filles en de côté c'est des sujets qui sont très peu abordés euh, dans les écoles de formation de nos élites. Euh, donc, ça, c'est un premier canal. Il euh, y, y a la Composition des comités consultatifs qui, euh, qui, euh, qui agissent très en amont de la prise de décision publique. Et il y a des, un travail, enfin, moi, il y, a, il y a une organisation à Bruxelles, Corporate Europe Observatory, qui fait un travail fantastique de quantification de ces lobbies et qui montre, en fait, à quel point ces lobbies, sont, enfin, ces, ces comités, son noyautés. Or, il faut être là pour peser sur la décision publique. Ils ont récemment, en 2017, sorti un rapport sur les comités consultatifs de la BCE. Bon, de mémoire, il doit y avoir 527, je crois, comités, 508 places pour l'industrie financière, 208 pour les banques systémiques. Qu'est-ce qui reste comme place pour les euh, chercheurs indépendants, pour les représentants des salariés, pour les ONG pour, euh, Voilà, et, et c'est ça la réalité. Euh, donc, euh, donc, ça passe par de multiples canaux euh, et je pense qu'il faut les mettre à jour. Merci beaucoup. Euh, C'est une réalité. Il y a notamment beaucoup de rapports, dont le rapport Stiglitz, qui montre que le secteur financier est quand même le principal responsable euh, du réchauffement climatique et des inégalités dans le monde, bien qu'il y en ait d'autres. Ça me permet de faire une bonne transition avec vous, avec vous pardon, Mathieu Orphelin. Donc vous êtes député, vous étiez ancien député de la République en marche, vous avez quitté le groupe En marche euh, au départ de Nicolas Hulot, euh, dont vous êtes proche. Euh, quel constat vous faites, vous, aujourd'hui de la finance et de l'impact euh, qu'elle a sur le réchauffement climatique. Bonjour. Alors, je vais être le moins intelligent de la table ronde, je vous dis tout de suite. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame, ça me faisait penser à cette question du poids des lobbies, qui est très important dans la décision publique et dans l'ensemble des décisions. C'est quelque chose dont les citoyens ont une conscience aiguë. Ça m'a frappé hier et avant-hier aux conclusions du grand débat. De voir que, alors qu'il n'y avait eu aucune question officielle posée sur les lobbies, sur la partie réinventer la démocratie, qui était un des quatre thèmes euh, du grand débat, ce qui arrive en premier dans les contributions libres euh, des citoyens, c'est euh, la meilleure régulation euh, du lien entre politique et lobby. Et en vous entendant, euh, j'y repensais et ça fait écho effectivement. Et on a besoin d'une plus grande transparence sur le secteur bancaire, financier comme sur euh, tant d'autres. Et euh, il y a des. Des solutions très simples pour le faire, notamment que tous les hommes politiques et femmes politiques nationaux, qu'ils soient parlementaires ou ministres, euh, puissent, par exemple, publier chaque mois la liste de leurs rendez-vous avec des lobbies. Évidemment, il faut bien qu'on qu rencontre les lobbies. Euh, C'est plus euh, intéressant et plus, et plus opportun que de faire la loi tout seul dans son bureau. Mais il faut que tout ça soit avec une très grande clarté parce que, effectivement, je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour à l'Assemblée nationale ou en tant que parlementaire, je ne reçois pas un amendement pré-rédigé euh, du secteur bancaire ou de tant d'autres secteurs, un cabinet de lobbying qui m'appelle pour me proposer un rendez-vous avec un représentant d'intérêt dont il euh, défend les intérêts privés. Effectivement, comme Monsieur l'a dit tout à l'heure, la somme des intérêts privés ne font pas l'intérêt général. Euh, sans être trop long, et pour revenir, euh, mais c'était la table ronde de rebondir un peu sur les uns et les autres, en introduction, on a rappelé cette phrase, « Mon ennemi, c'est la finance ». Moi, mon ennemi à moi, c'est le réchauffement climatique. Et je crois qu'effectivement, rapport après rapport, je, je le redis, parce que le, le rapport sur le 1,5 du GIEC d'octobre dernier, quand même, doit être notre feuille de route collective. Si, si on ne tient pas compte de ce que nous disent les scientifiques, on vit dans, dans, dans un monde qui va très vite s'effondrer, où les questions de finances, d'économie, de social auront plus aucun intérêt. Et donc, ce, ce rapport du, du GIEC sur le 1,5 qui montre que se limiter le réchauffement climatique à un degré et demi, c'est très important et très bénéfique par rapport à le, à le limiter à, à, à 2 degrés. Ça montre qu'au niveau mondial, il faut diviser les émissions de, de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Au niveau mondial, moins 45%. Oui, la réaction, c'est sans doute celle-là, de se dire oula alors soit un rire nerveux, comme ça j'expertise un peu votre rire, qui est un rire nerveux, soit de se dire c'est pas gagné, soit de se dire ils sont fous ces écolos. Non, c'est pas les écolos, là, c'est les, les, les scientifiques qui nous disent ça. Et moins 45% au niveau mondial, ça, ça veut dire pour un pays comme la France, divisé par 3 les émissions de CO2 d'ici 2030, en 11 ans. C'est moins 6, moins 7% par an. Voilà l'enjeu. Toute notre force vive sur la finance, parce que moi je pense que la finance doit être un, outil, un des outils principaux. C'est à ça que ça doit servir. Il faut qu'on mette toute notre énergie à comment on finance euh, tout ça et comment on bascule les, 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 euh, la machine financière euh, sur cette transition écologique. Parce que oui, on veut financer l'investissement productif, mais il faut aussi, surtout, tous les investissements productifs ne se valent pas. Aujourd'hui, on a beaucoup trop d'acteurs financiers qui investissent dans les centrales à charbon dans les centrales euh, ou dans d'autres secteurs euh, pétroliers, qui contribuent euh, à, notre, à notre perte. Donc on a cet enjeu de basculement. Je vais, pour conclure, vous redonner quelques, quelques chiffres. Combien on investit en France aujourd'hui sur la transition écologique D'abord, on s'était posé la question en 2012, dans la préparation de la loi d'avant, et à cette époque-là, personne ne savait. Donc on avait fait des petits calculs de coin de table. Euh, et finalement, depuis un certain nombre de, de, de choses, notamment I4C, et sort maintenant un panorama. Euh, donc, mais je redis juste qu'il y a cinq ans, on savait même pas dire combien on investissait. Aujourd'hui, on sait, et on sait le suivre, l'an dernier, en France, on a investi 41 milliards d'euros dans la transition écologique. 41 milliards, principalement dans la rénovation énergétique, des euh, bâtiments notamment, l'efficacité énergétique, les transports propres, les infrastructures de transport, etc. 41 milliards. Combien il faudrait faire pour se mettre sur la bonne direction il faudrait faire, bon, je vais vous donner un chiffre, euh, une, une fourchette, mais entre 10 et 30 milliards en plus par an pour se mettre sur une route plus ou moins compatible avec le 2 degrés, peut-être un peu plus pour se mettre sur une route compatible avec le 1,5 degré. et demi. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est comment on investit entre 10 et 30 milliards d'euros en plus par an. On peut se dire c'est beaucoup, mais c'est à la fois pas beaucoup. Parce qu'effectivement, ce n'est pas tellement des investissements en plus, c'est du... Quand on compare ça à toutes les enveloppes d'économie des Français, des volumes d'investissement des différents acteurs, ce n'est pas tant que ça. Donc, moi, je dis, il faut 15 milliards en plus par an, moi, au début, 5 publics et 10 privés. De levier de... Voilà, ça, ça vous donne cette, cette... Et ces 15 milliards qu'il faudrait dès maintenant, on n'a pas le temps, on l'a dit tout à l'heure, on n'a que 11 ans pour tout changer. Euh, C'est assez simple. Aujourd'hui, dans notre pays, les investissements marrons, donc dans les secteurs euh, des véhicules euh, polluants, enfin des véhicules, pardon, j'excuse ce terme polluant, mais véhicules diesel et essence par exemple, ou dans des technologies trop dépendantes du, du pétrole. Aujourd'hui, ces investissements dans l'économie marron, c'est 70 milliards d'euros en France par an. Donc vous voyez finalement, euh, si jamais la volonté politique est là, qu'on mêle la finance au service de ça, que l'ensemble des acteurs jouent le jeu, eh bien effectivement, ce basculement de 15 milliards d'euros par an, il est à notre portée. Il est là. Euh, maintenant, on n'a plus le temps. Il faut le faire maintenant. Merci beaucoup. Euh, Dominique Plion, euh, vous êtes euh, du coup engagé sur ce, sur ce thème depuis bien longtemps. Vous êtes académique, euh, porte-parole du mouvement Attaque et membre du collectif Les Économistes Atterrés. Euh, donc vous, en tant qu'économiste, pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui atterré par le secteur financier Alors d'abord, ça sera complémentaire à ce qui a été dit. Je... Largement d'accord, évidemment, avec ce qui a été dit. Mon point de départ, ça a été de regarder la finance au niveau global et international, parce qu'en fait, depuis 40 ans, depuis les années 80, on a une montée en puissance de la finance, non seulement dans nos pays respectifs, mais au niveau mondial. Et pour moi, ce qui m'a le plus sensibilisé, Attaque est né en 1998, au moment de la première grande crise des pays émergents, à la suite de la libéralisation financière, etc., c'est le fait que la finance. Ces acteurs financiers, les investisseurs, les banques sont capables de déplacer des montants gigantesques d'un pays à l'autre pour, euh, pour spéculer. Alors tu disais la spéculation, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais là il y avait vraiment la preuve que la spéculation avait déstabilisé des pays, notamment sur les devises, sur les monnaies. Mais aussi, on voit que la, la, la finance met en concurrence, en déplaçant l'argent dans les pays les moins disants sur le plan fiscal, donc paradis fiscaux mais en concurrence les pays qui ont les règles sociales les moins, les moins contraignantes, etc., les normes environnementales les moins contraignantes. Et donc la finance, de ce point de vue, la finance globalisée, je suis extrêmement critique. Mais j'ai aussi la conviction, qu'on partage, j'imagine, ici dans cette table ronde, et que vous développerez tout à l'heure dans la seconde table ronde, qu'il y a d'autres formes de finances possibles, il y a des alternatives, il y a d'autres formes de régulation possibles, etc. Donc ça, c'est pour ça que je suis personnellement engagé. Je suis engagé comme un double titre comme chercheur, enseignant-chercheur, notamment comme Laurence, on est tous les deux enseignants à l'université, euh, et donc on se bat aussi sur ces questions d'instabilité financière, des risques font peser la finance, euh, et on a un regard critique sur la finance. Le regard critique, très simplement, je dirais, la finance est supposée avoir trois fonctions qu'elle remplit très mal aujourd'hui, la finance dominante. C'est un, premièrement, financer. Eh bien, je dirais que c'est un problème d'allocation, que les ressources aillent où c'est le plus utile pour la société. Et ben je dirais que c'est pas ce qui se passe. Et notamment dans le monde, les pays du Sud qui ont un potentiel de développement les plus importants, c'est pas eux qui reçoivent le plus de financement. Bien au, bien au contraire, l'argent il, il pleut comme on dit là où c'est mouillé. Il y a un vrai problème. Deuxième sujet, la, la finance a pour fonction de gérer les risques. Et bien je prétends que la finance moderne actuelle ne sait pas fait gérer les risques. Il y a ce que les économistes appellent des externalités, c'est-à-dire des risques qui sont extérieurs au calcul de marché qui échappe totalement aux investisseurs et qui du coup ne savent pas prendre en compte ces risques. Et d'ailleurs, on le voit, on a travaillé avec la personne qui était sur l'écran tout à l'heure, Sandra Rigaud, euh, sur les investisseurs. Le titre de notre article, c'est On manque d'investisseurs de long terme. Il y a un court-termisme très marqué des investisseurs, c'est-à-dire les sociétés d'assurance. Les, les fonds de pension, les différents fonds d'investissement mutuel, etc., qui préfèrent investir à court terme, et on manque d'investisseurs de long terme, parce que pour la transition, dont vous parliez à juste titre, ce manque criant de fonds pour l'investissement, pour, euh, pour la transition, ce sont surtout des investissements de long terme dont on a besoin, c'est-à-dire des infrastructures, rénovation de logements, recherche et développement, nouvelles formes de transport, etc. Et ça fait, ça fait totalement défaut, parce que les investisseurs actuels sont des court-termistes, ne savent pas investir à long terme. Heureusement, en France, on a une institution qui s'appelle la Caisse des dépôts, qui est notre investisseur de long terme par excellence. Bon, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure avant la séance. Je ne suis pas d'accord avec les réformes On qui sont va. en cours, mais au moins il faut la préserver cette réforme, cette, cet acteur. On a besoin d'investisseurs de long terme. Voilà. Et je crois que c'est vraiment un élément absolument, absolument central aujourd'hui. C'est Comment réorienter la finance Alors Vous disiez on manque d'argent, je suis tout à fait d'accord avec vous, je compléterai, je pense que vous serez d'accord avec moi, nous avons mené avec ATTAC et d'autres organisations une campagne sur le désinvestissement dans les énergies fossiles pour réinvestir vers les énergies renouvelables. Et donc l'argent il est là, comme vous le disiez vous-même, l'argent il est là, ces 70 milliards dont vous avez parlé qui vont s'investir encore aujourd'hui dans les mines, de, dans les centrales à charbon et autres. Il faut les redéployer. Et je pense que la finance ne sait pas le faire toute seule. C'est-à-dire qu'il faut des politiques volontaristes dans ce domaine pour obliger, voire même pour interdire certains types de financement pour qu'il y ait une réorientation. Parce qu'il est urgent d'agir. 11 ans, vous l'avez dit, c'est beaucoup trop court. Donc si on n'agit pas aujourd'hui dans l'urgence avec des mesures fortes, eh bien on, 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 on échouera face à, face à la question de la transition. Donc la finance a besoin d'être profondément réformée et régulée. Pour atteindre ces objectifs. Très bien, bah ça nous permet d'enchaîner sur la deuxième partie de cette table ronde, qui est justement les modèles. Alors, je fais une mini interlude. Les personnes qui sont sur le coin, est-ce que ça vous embête de vous recentraliser Parce que je vois des personnes qui ne trouvent pas de place, du coup, sur le derrière, etc. Et donc, juste de vous, revenir au... de vous recentraliser au milieu. Je sais que c'est un débat qui fait peur, mais, euh... <laughs> mais on ne vous verra pas plus, vous êtes sûr, et on ne va pas vous demander d'intervenir. <laughs> voilà. Petite interlude, on la coupera au montage, bien évidemment. J'ai un peu coupé l'engouement, mais on va, on va y revenir. Il n'y a pas de sujet. Euh, merci beaucoup pour cette transition du coup, parce que on parle du coup maintenant de comment est-ce qu'on fait. Pour... On, a, on, a, on a adressé le constat, etc. Quels sont les meilleurs moyens d'action? pour permettre à ce secteur financier de mieux évoluer, parce qu'on n'est pas en train de remettre en question le capitalisme. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez d'un nouveau capitalisme et pas de l'éradication ou de l'effondrement du capitalisme, ce qui peut être l'avis de certains et qui peut être également entendable. Comment est-ce qu'on fait avec les institutions actuelles en place pour réformer ce système financier Vous avez commencé avec la politique, vous avez parlé de la régulation. Euh, J'aimerais bien quand même commencer avec le rôle des régulateurs, parce que c'est quand même très méconnu. Euh, ces régulateurs financiers. Et je vous partageais une anecdote au téléphone. Euh, nous, quand on dit qu'on est régulé par l'autorité des marchés financiers, on se fait accuser de capitaliste alors que pour nous, justement, c'était un... Bah, notre régulateur, c'est justement celui qui nous empêche d'être des méchants et odieux capitalistes dans l'idée. Donc, un petit point sur le rôle des régulateurs aujourd'hui et comment vous avez choisi de travailler aujourd'hui, euh, M. Filippona. Alors, vous étiez le fondateur de Finance Watch qu'on qu appelle le Greenpeace de la finance pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est vraiment l'ONG de pédoyer dans le secteur financier. Et vous avez... Donc, Assez, euh, vous revendiquez une nouvelle finance et vous avez décidé de choisir de travailler avec des régulateurs pour améliorer le secteur financier. Pourquoi et comment il fonctionne aujourd'hui Beaucoup de questions. Oui. Euh, oui. Alors, euh, les, les, les régulateurs financiers, ce sont des gens qui ont différentes fonctions. Alors déjà, pardonnez-moi, la transparence est essentielle. Donc, euh, je ne suis pas là pour parler au nom des régulateurs financiers, mais il se trouve, et c'est de notoriété publique, que je suis membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, qui est l'un des deux régulateurs financiers en, en France. Euh, le Collège, c'est en gros l'instance dirigeante. Euh, et dans l'autre autorité financière, qui s'appelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, euh, je suis membre de la Commission des sanctions. Euh, voilà. L'autorité marché, des marchés financiers, bah, son nom indique bien ce qu'elle fait. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'occupe des banques et des compagnies d'assurance en dehors de leur activité marché financier. Parce qu'évidemment, les banques et les compagnies d'assurance font. Voilà. Donc je ne suis pas là, c'est important. Euh, déontologie oblige pour parler en leur nom. Pour autant, effectivement, j'ai un petit peu d'expérience de ce domaine-là. Pour répondre à votre question, euh, en fin 2013, je, je dirigeais Finance Watch, j'étais à Bruxelles, je reçois un coup de fil un soir de novembre de quelqu'un qui était membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale à l'époque, qui était Claude Barthelone. Cette personne me dit euh, le président Barthelone doit nommer quelqu'un au, euh, au collège de l'AMF, est-ce que ça vous intéresse euh, Voilà, donnez-moi 48 heures, je vous reviens. Et ce qui était très intéressant, et tout le monde n'est pas d'accord sur cette approche, et c'est normal, vive le débat. Mais la raison pour laquelle j'ai dit oui, alors c'est pas une fonction à temps plein, c'est une fonction qui prend, mais on, moque, on va dire 20 à 30% de son temps, mais c est, c est, c est pas, est pas, on n'est pas salarié, on fait partie de l'autorité, etc. Et la raison pour laquelle j'ai dit oui était la, la raison suivante, et je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, parce qu'il y, y a une autre conception des, des choses qui dit qu'il ne faudrait pas faire ça. Euh, mais c'est qu'on avait fondé Finance Watch en disant, et on est beaucoup d'autres à travailler là-dessus... Hein, Dominique, Laurence euh, travaille énormément depuis très longtemps sur ce sujet-là. On était beaucoup à dire, il faut que la société civile ait voix au chapitre. Voilà. Et là, on avait les autorités au plus haut niveau qui disaient, tiens, vous êtes euh, responsable d'une organisation euh, qui a un minimum de gueule sur le sujet. Pas la seule, hein. Pas non plus euh, en faire trop. Euh, Est-ce que vous voulez rejoindre l'autorité des marchés financiers Moi, ça me semblait évident... Que la réponse était oui, parce que de mon point de vue, euh, si on dit non dans ces cas-là, il bah, ne faut plus demander à voir au chapitre. Il y a une autre, il y a une autre euh, façon de voir les choses que je re retransmets, parce que c'est important d'avoir un débat euh, équilibré et honnête. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais si tu t'assois autour de la table, et quelque part, c'est ce, que, ce que dit euh, Laurence dans, dans, dans son livre que je n'ai pas encore lu, Laurence, mais je vais le faire. Euh, étant donné que tu es avec des gens qui représentent un certain nombre d'intérêts financiers, tu légitimes leur, leur, leur présence. Non, non, je n'ai pas dit que tu le disais. Je, 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 je dis que tu connais le sujet. Je n'ai pas dit que tu disais ça. Voilà. Donc il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas y être parce que, euh, parce que ça légitime la présence d'autres. Moi, je dis que si on n'y est pas en tant que société civile, euh, ben, on ne va pas avoir le droit de débattre. C'est un débat éternel. Hein, je ne prétends pas avoir raison. En tout cas, c'est ma, ma conception des choses. Et, et, et j'en veux que le système ait une certaine ouverture, que ce sont des mandats de 5 ans. Mon mandat précédent s'est arrêté euh, à la fin de l'année dernière et que je viens d'être renouvelé. Donc il faut croire, et je n'ai pas changé d'un iota sur un certain nombre de convictions, ça veut dire que le système se dit tiens, il y a peut-être quand même besoin de ça. Voilà. Alors à quoi ça sert un régulateur Ça sert à autoriser, parce que ce sont des activités, dès qu'on parle d'argent, il faut quand même vérifier que les gens déjà sont honnêtes et puis ont une activité légale et puis qu'il y a des formes de transparence dans tous les domaines, hein, que ce soit les plus grandes banques ou par exemple le financement participatif il s'agit d'argent donc si vous ne contrôlez pas vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des choses pas forcément louables. Ensuite une fois qu'on est autorisé il faut mettre des règles en place, les suivre, contrôler il y a des contrôles, il y a des enquêtes euh, le cas échéant quand les contrôles et les enquêtes arrivent à la conclusion qu'il y a des choses répréhensibles qui ont eu lieu, et bien il faut poursuivre, souvent on présentera l'AMF dans, 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 dans la presse comme le gendarme de la bourse, alors c'est un peu réducteur comme expression mais c'est bien réel il y a un côté le gendarme de la bourse euh, et puis il y a aussi tout un travail de euh, relation avec euh, les législateurs parce que nous sommes en démocratie Dieu merci, donc ce sont les législateurs qui décident des grands principes mais comme ce sont des domaines extrêmement techniques, il y a une myriade de détails à mettre en place une fois que les législateurs, nous en avons un avec nous ici, ont fait leur boulot. Ils ont fait leur boulot. Ils ont dit, bah, les grands principes, c'est ça. Euh, tiens, AMF, euh, si vous pouvez euh, régler tous les détails, ça sera bien. Et c'est normal, c'est la seule façon de fonctionner. Euh, donc un régulateur, ça sert à ça. Donc, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une conviction profonde. C'est euh, la possibilité pour la puissance publique de rentrer dans le jeu de dire oui on est dans des économies on va dire de liberté au sens de vous avez le droit d'entreprendre de prendre l'initiative mais il y a des règles voilà parce que une société où il n'y a pas des règles ça va jamais bien se passer donc et après ça évidemment il y a toujours des tendances parce qu'on est dans le monde réel à faire des règles aussi euh, aussi légères et aussi peu contraignantes que possible il y a probablement des gens qui euh, iraient dans l'autre sens, et puis bah, le boulot de régulateur, ça trouve ça consiste, encore une fois, en amont, euh, pardon, en aval, pardonnez-moi, en aval du législateur, à essayer de trouver le juste équilibre entre euh, la liberté qui fait qu'il se passe des choses intéressantes dans la société et en même temps bah, euh, des règles. Euh, Relisez une partie d'Adam Smith qui est souvent caricaturée avec deux ou trois, euh, deux ou trois principes qui, qui ont été totalement capturés. C'est un hold-up intellectuel incroyable. Mais Adam Smith vous dit très bien, il n'est pas, pas dans la nature des agents privés de s'auto-réguler. Il écrit des dizaines de pages là-dessus. Il n'est pas dans la nature des agents privés de s'auto-réguler. Il faut des agents privés, très bien, mais il faut... Mettre des règles et puis avoir quelqu'un qui, qui les suit. Merci beaucoup. Ça me permet de justement questionner le, le, le législateur aujourd'hui. Vous portez cette casquette, euh, Mathieu Orphelin. Vous avez choisi, et alors que ce n'était pas forcément prédit, ôter euh, pour une carrière politique. Et parce que pour vous, est-ce que finalement la législation, c'est le moyen le plus simple, le plus efficace d'arriver euh, à une à une régulation de ce secteur financier ou même à une transformation Et comment vous le faites aujourd'hui Merci, et je partirai sur la pointe des pieds après, parce que j'avais prévu que c'était un plaisir d'être avec vous, mais il que je parte à 20h. Mais d'abord, effectivement, pour partager quatre, quatre impressions, convictions avec vous. La première, c'est que les politiques, bien sûr, je dirais pourquoi c'est important que les politiques se mouillent dans ce, dans ce grand combat, et bien plus qu'aujourd'hui, mais d'abord, merci aux ONG. Merci à tous les acteurs de la société civile, je le dis, parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu le travail de Finance Watch, s'il n'y avait pas eu le travail de tout un tas d'ONG aussi sur le désinvestissement dont vous parliez tout à l'heure, monsieur, avec toutes ces nouvelles formes d'intervention qui permettent de mettre les investisseurs publics et privés devant leurs responsabilités par des actions un peu coup de poing aussi lors de générales générale ou autre, cette mobilisation citoyenne, elle, doit, elle, elle a été hyper utile. Sans ça, il n'y aurait pas eu... Euh, tout un tas d'annonces de, 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 des investissements dans le charbon à l'occasion du One Planet Summit et de tant d'autres occasions dans les dernières COP. Mais voilà, on a besoin de cette mobilisation et cette société civile, elle est celle qui montre la voie et qui oblige les politiques qui ont souvent un temps de retard sur ces questions-là à agir plus qu'aujourd'hui. Le deuxième, ça a été dit tout à l'heure, mais notre objectif commun, il faut que tout le monde s'y mette, c'est effectivement redonner du sens, du sens à la finance, du sens aux investissements, du sens aux économies de chacun d'entre nous, acteurs citoyens comme des fonds de pension ou autres gros acteurs dont on parlait tout à l'heure. C'est redonner du sens. Mais ce sera d'ailleurs pour un citoyen comme pour un grand fonds de pension. Tellement plus épanouissant d'investir dans un projet d'énergie renouvelable à côté de, de chez soi que euh, dans une, dans, dans une euh, millième ou deux millièmes centrale à charbon à l'autre bout, du, à bout du, du, du monde que là aussi il y a sans doute une nouvelle histoire de la finance à, à raconter. Troisième point, oui, il faut que les politiques il faut que le politique joue son, son rôle en fixant les grandes directions, en assumant de vouloir participer. À, 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 à la mise en place de cette nouvelle finance, à la régulation de cette nouvelle finance. Et ça passe, on, on, vous avez évoqué la loi Pacte tout à l'heure, euh, l'État a un rôle à jouer. Et certains lobbies ne sont pas toujours d'accord. Moi, quand j'ai porté dans la loi Pacte la transparence sur les écarts de salaire, pas assez loin pour certaines ONG qui m'ont dit qu'on n'était pas assez loin, mais enfin on a été le plus, le, le plus loin possible, effectivement, parce que ça me paraissait un élément de régulation important, que les gens sachent, effectivement, sur toutes les entreprises cotées en France, fait quand même plus de 2000 entreprises, quels étaient les écarts de salaire entre le salaire des dirigeants, le salaire moyen et le salaire médian dans l'entreprise. Avec ça, on pouvait avoir aussi, parce que ce qui tue notre société aussi, ce sont les excès dans la finance, comme dans les écarts de salaire, comme dans les écarts de, 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 de revenus ou autres. Oui, le politique doit prendre sa part euh, et fixer. Euh, et finalement, c'est là où. Moi, je ne vais pas faire carrière en politique. Hein, J'ai dit que je ferai un mandat et après, je retournerai euh, travailler dans la vraie vie. Mais j'assume cette fonction-là pour cinq ans. Mais oui, parce que quand vous faites la loi, vous pouvez donner des grandes directions. C'est ce qui avait été fait sur la loi de transition écologique euh, euh, en, en 2015, avec cet article 173, où pour la première fois, on allait demander aux grandes entreprises comment elles prenaient en compte le risque climatique et ces questions de transition écologique dans leur stratégie. Alors, on voit aujourd'hui dans les bilans qui sont faits que pour l'instant, les reportings sont assez euh, euh, hétérogènes encore. On arrive euh, à mieux cibler la part qui est réel, réellement consacrée dans, euh, à ces sujets-là. La façon dont les, grandes, entre, les grands investisseurs prennent en compte ces questions de, 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 de moyens et de long terme. Mais en tout cas, c'est déjà, ça va dans le bon sens. Et je vous le dis, il faut qu'on y aille de façon beaucoup plus, plus importante. C'est pour ça que dans la, loi, dans la loi Pacte, on a notamment... Un, euh, permis des, assurances, euh, des, des, des avancées sur l'assurance vie. Bien sûr, maintenant, il va y avoir que sur les contrats d'assurance vie, il y a un certain nombre de, de produits de base, nombre de bases qui soient de, de, de produits investissement dans la transition écologique, investissement euh, socialement responsable, économie euh, sociale et solidaire. Donc, il y a au moins un puis un de chaque de, de produits euh, concernés. Et puis, une deuxième avancée qu'on a gagnée pour ceux qui sont insomniaques et, et qui, qui passent leur, leur nuit devant. Euh, les débats de, de commission à l'Assemblée nationale. On a aussi finalement, euh, par un petit moment d'intelligence collective, comme il n'y en a pas hyper, hyper souvent à l'Assemblée nationale, mais euh, en tout cas, à ce qu'à partir de 2022, tous euh, les, les produits d'assurance vie euh, euh, aient à indiquer le pourcentage euh, d'unités de compte dans chacun de ces, ces trois grands thèmes transition écologique, ISR et ESS. Et ça, ça permettra d'avoir. Un... C'est génial. Et, et ça, on l'a obtenu par un presque pas un hasard, mais une intelligence collective. Donc merci de... Euh, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait proposé, mais je prends le compliment. Au tout début, on s'était dit qu'il faut donner un, un pourcentage minimum. Et mais en fait, cette transparence totale sur à quel pourcentage on est finalement euh, peut-être un peu plus, plus fort. Et puis, dernier point, non, parce qu'on s'échauffait avant d'échanger avec vous, avec monsieur tout à l'heure, sur la caisse des dépôts, mais en fait, je crois qu'on est quasiment... Euh, d'accord surtout je voulais dire et c'est peut-être là dessus où les politiques doivent faire beaucoup mieux qu'aujourd'hui c'est sur l'exécution des politiques publiques on a un vrai problème en france d'exécution des politiques publiques et un des, 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 des points qu'on failli me faire exploser de rage euh, on avait dans notre projet dans notre programme un grand plan d'investissement dont 2,5 milliards et demi d'investissement de la caisse des dépôts 2 milliards en prêt 500 millions en avance de de, de cash pour les, pour les collectivités sur la rénovation énergétique des bâtiments publics les écoles les collèges les bâtiments euh, et, et donc 2 milliards et demi on pouvait se dire c'est pas assez mais bon c'était quand même un... et je me suis rendu compte au bout de d'un an et demi de, 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 de mandat je comprenais pas je ne voyais pas sur mon territoire les projets émergés etc j'ai un problème soit on est plus bête que les autres soit et donc euh, au bout de 2-3 mois à, à creuser ça je me suis rendu compte que sur les 2,5 milliards et demi qu'on avait mis dans le grand plan d'investissement, au bout d'un an et demi, on était à 6 millions d'euros de dépenses. 0,2% de notre enveloppe transition écologique, transition énergétique, rénovation énergétique des bâtiments publics. Euh, voilà. Et donc, effectivement, ça fait partie euh, des points sur lesquels il faut que les responsables politiques aient une vigilance majeure. Là, imaginez cette absurdité dans la France d'aujourd'hui où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les collectivités et où la rénovation énergétique est une priorité. Sur deux milliards et demi, il y a deux mois, on avait dépensé 0,2% en 18 mois. Euh, J'espère qu'on va changer de rythme. Si, si, si je peux me permettre, c'est vraiment très, très complémentaire à ce que vient de dire Monsieur Orphelin. Euh, D'abord le sujet, et ça c'est une illustration qui est juste parfaite. C'est pas qu'il n'y ait pas d'argent, l'argent, déjà l'argent, ça se crée, ça se crée par le système bancaire, euh, accessoirement par les banques centrales. Donc voilà, faut voir les, les masses de grandeur en, en, en jeu. En France, il y a 3 700, bien dit, 3 700 milliards d'euros d'actifs qui sont gérés par les sociétés de gestion de portefeuille. Le total de bilan des banques françaises, c'est 8 000 milliards d'euros. Donc, s'il manque 30 milliards par rapport à 3 700 ou 8 000, bon, je m'arrête là. Première chose. Ce qui est très 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 important, et là, on a des, des, des vraies pistes intéressantes qui avancent. Pas assez rapide, pas assez radical, j'en suis convaincu, mais quand même, ça va dans le bon sens. On a une législation, 2015 qui dit, tous les fonds en France doivent me dire ce qu'ils font en matière de transition écologique euh, et de financement de, 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 de la transition nécessaire pour lutter contre le changement climatique. N'oblige pas à faire. On peut se dire, tiens, ce pas si radical, je ne vous oblige pas à faire. Dit simplement, dites-moi ce que vous faites. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins dit. Et là, pour le coup, je reprends, je ne parle pas pour eux, mais ma casquette AMF que je ne connais pas trop mal. Le régulateur a dit, attendez, moi je fais un boulot qui consiste à m'assurer que ce qui est dit est vraiment fait. C'est-à-dire que est-ce que l'information est en jargon claire transparente non trompeuse. Donc ce que fait maintenant le régulateur, c'est qu'il dit le législateur a dit dites-moi ce que vous faites et le régulateur va maintenant aller voir en disant si vous dites que vous le faites, je vais m'assurer que vous le faites vraiment. Alors les choses prennent du temps. Mais vous voyez très bien qu'on a une combinaison qui est très puissante parce que si la loi dit dites-moi ce que vous faites par transparence et que le gendarme dit, si vous dites que vous le faites et que vous ne le faites pas, je vais vous taper sur les doigts, tout à coup, la donne change. Alors effectivement, la difficulté, c'est que la donne, elle change sur plusieurs années, le temps que toutes les grosses machines se mettent en route, donc c'est loin d'être instantané. Je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, je ne suis pas en train de dire que c'est suffisant, je ne suis pas en train de dire qu'on va assez vite, ce n'est pas vrai. Et, 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 et le moins 45% d'ici 2030, euh, j'aimerais y croire, je ne suis pas certain d'y croire. Mais pour autant, on a quand même des choses qui permettent de se dire tiens, on va dans un sens qui est positif et qui est constructif. Et, et ça, c'est des choses si importantes. Et quelque part, ça relie au thème général de cette soirée, qui est, est-ce qu'on change le modèle dominant Vous nous avez incité, Eva, à, à dire aussi ce qu'on pense, qu'on a peut-être dans, dans, dans le cœur ou dans la tête ou dans les tripes. Moi, je pense qu'il est important de prendre le système dominant comme il est et de le faire évoluer. Alors, c'est une, une, une tâche qui est titanesque, parce que sinon, on reste marginal. Et vu les, les sommes en jeu... Il faut faire bouger le système dominant. Et ce que je viens d'évoquer là, mine de rien, c'est des choses majeures. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais donc, voilà, prendre le système dominant et le faire bouger. Après ça, j'ai une haute conscience de ces multiples imperfections et de. Voilà, on n'y est pas. Hein. Mais, mais, mais sur ce sujet de la finance verte, l'investissement socialement responsable, bon, j'ai pas mal travaillé dans ce domaine-là, je, je me suis occupé de l'association qui, 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 qui promeut l'investissement socialement responsable à part, à part, enfin en France, puis je m'en occupe au niveau européen maintenant. Mais. Euh, ce sont des choses qui sont absolument essentielles. Si on a des pistes qui vont nous emmener quelque part, ça sera ça. Merci beaucoup. Euh, ça me permet. Vous devez partir. Bon, dommage, mais en tout cas, on attend beaucoup parce que le point euh, qui n'a pas été dit, quand même, parce qu'on parle beaucoup de ces opérations financières, etc. 80 de l'épargne des Français, ça reste quand même. Merci beaucoup pour votre présence. Hein. Oh, juste, on 80% de l'épargne des Français, ça reste quand même le livret A et l'assurance vie. Livret A étant géré par la caisse des dépôts. Donc, le rôle de l'acteur public de financement est majeur. Euh, Dominique, je sais que vous avez une position là-dessus, une vision. Et j'aimerais savoir et vous entendre également sur, pour vous, quels quel moyens vous avez choisi aujourd'hui pour contrer ou transformer ce secteur financier comment ça fonctionne Parce que l'idée, c'est aussi de montrer à notre audience euh, quel est le moyen le plus efficace aujourd'hui et que vous puissiez potentiellement euh, vous engager dans l'un ou l'autre. Alors, j'ai envoyé une image pour commencer. Je crois qu'il faut marcher sur les deux jambes, comme disait Mao Tse-tung. C'est-à-dire qu'il faut avoir la... On essaie de la voir, nous, en tant que chercheurs, notamment, l'expertise et on pas... il n'y a pas que les chercheurs, d'ailleurs, qui vraiment être rigoureux, connaître les mécanismes, pouvoir les décrire, éventuellement les faire évoluer d'une manière rigoureuse, mais l'expertise... La connaissance n'est pas suffisant, il faut l'action. Et l'action, en effet, c'est pour ça que je me suis engagé personnellement dans une organisation comme ATTAC. Nous faisons ce qu'on appelle de l'action citoyenne. C'est les deux dernières lettres du mot ATTAC, c'est ça que ça veut dire, action citoyenne. C'est-à-dire que les choses ne bougeront pas si on. Ce le disait Mathieu Orphelin, le disait aussi en parlant de la société civile, s'il n'y a pas des ONG, chacune à leur place et à leur manière, qui poussent et qui agissent. Alors nous, ATTAC, on est allé un cran plus loin que la plupart des organisations. Vous n'avez peut-être entendu parler, on fait ce qu'on appelle de la désobéissance civile ou citoyenne. C'est-à-dire qu'on mène des actions un peu plus radicales, mais non violentes, sans aucune nuisance sur les personnes et sur les biens, mais tout à fait quand même symboliques et radicales. Par exemple, pour lutter contre l'évasion fiscale, puisque c'est un des fléaux de notre société et de nos finances publiques, eh bien, on a fait ce qu'on appelle de l'emport, les juristes emploient ce terme-là, ou du fauchage de chaises dans les agences bancaires, des grandes banques françaises qui sont les championnes de l'évasion fiscale et de l'organisation de l'évasion fiscale. Voilà, on a eu des procès, d'ailleurs, qu'on a gagnés, les juges ayant reconnu que nos actions étaient non violentes, etc., et qu'on était dans notre objet, objet social en faisant cela. On a fait aussi Apple, multinationale. Qui était aussi une des grandes championnes de l'évasion fiscale dans le monde. Eh bien, on est allé dans le magasin d'Apple au moment des fêtes de Noël. On a fait un happening, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'on a fait de la fête, on a chanté, on a fait de la musique, etc. Sans aucune violence. On a même parlé avec les vendeurs, etc. Mais le magasin a été interrompu. C'est le moment où ils vendaient leur iPhone. E Je sais plus 10. Alors ils étaient furieux parce qu'ils comptaient en vendre beaucoup au moment des fêtes. Bon, ils nous ont attaqué en justice, référé au tribunal de Paris et des référés, et on a gagné là aussi. Donc on essaie de se battre, si vous voulez, dans des actions spectaculaires, parce que ça attire les médias, ça fait connaître nos actions, le pourquoi, et là, le juge nous a, des référés nous a donné une raison. Voilà, donc on essaie de se battre. Vous voyez, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec certaines des violences qu'on a vues ces derniers temps et que nous réprouvons. Et par contre, oui, le citoyen, alors je dis ça pour donner un exemple, mais chacun peut agir à sa manière. Moi, je pense que nous avons une responsabilité en tant que citoyennes et citoyens, c'est de nous engager. Et pas uniquement en votant, une fois tous les 5 ans ou tous les 4 ans. Nous devons nous engager là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous avons des, des amitiés, etc., pour voilà, faire bouger les choses. Et si nous ne le faisons pas, la société ne bougera pas et surtout les gens se décourageront. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a un changement dans notre société, c'est les jeunes et le climat. Regardez le mouvement qui s'est produit ces derniers temps. La prise de conscience des jeunes, souvent très jeunes, des lycéens, et lycéennes, parfois venus d'autres pays, qui aujourd'hui prennent à bras le corps cette question du climat, eh bien ça, ça fait plaisir. Eh bien, ce sont des citoyennes et des citoyens très jeunes, déjà engagés. C'est une leçon pour nous, nous qui sommes peut-être un peu plus euh, génération d'après, hein, un peu moins engagés. Ben voilà, c'est un bel exemple. Je pense qu'aujourd'hui, on a une société qui a des mots, #maux, très important dans le domaine social, dans le domaine climatique. Dans le domaine de la démocratie, si on ne bouge pas, et bien, on aura de, de gros, de gros, de grosses difficultés dans le futur. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, dans un certain nombre de pays. Il y a, il, y a feu, il y a le feu à la maison. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde demain va aller taguer les banques françaises. Il y avait une très belle opération, d'ailleurs, qui s'était faite il y a quelques années. Euh, qui avait pas mal réveillé les gens sur l'impact du secteur financier, notamment sur les énergies fossiles. Euh, bon, encore eux, euh... alors qu'ils font plein de choses bien aussi, mais bon, BNP Paribas, avec BNP Is a Nuclear Bank, c'est devenu, euh, devenu mondial. Euh, tout le monde est allé euh, effectivement se mobiliser au sein de BNP. Et c'est cette prise de conscience, quand j'étais dans, dans cette organisation il y a longtemps, euh, qui a quand même fait bouger les lignes. Donc, cette mobilisation citoyenne, elle permet vraiment de transformer, c'est un moyen en tout cas de transformer euh, l'entreprise. Et la, et la banque, comme vous préconisiez, de l'intérieur et non pas de réinventer forcément, mais de le faire avec les acteurs bancaires. Euh, D'autres moyens euh, sont aussi possibles. Donc vous parliez tout à l'heure de finances responsables, de finances solidaires euh, dont, dont on, sur lequel on travaille notamment chez l'ITA, qui a pour objectif vraiment de, de redonner des critères environnementaux, des critères sociaux aux opérations financières. Quel regard vous portez euh, là-dessus, Laurent Allum, parce que vous en parlez dans, dans votre ouvrage, vous donnez un peu votre perception, du coup, de ces différents moyens de transformation du secteur financier. Quel regard vous portez aujourd'hui là-dessus euh, Vous voulez que je parle de ce que moi j'essaye de faire ou, ou de ce que, ce que je pense qu'il faut faire Ce que de, vous pensez de... qu'il faut faire et quel regard vous portez en tout cas sur Alors, ces moyens de transformation alors, euh, je pense qu'il faut déverrouiller, en fait. Je pense qu'il faut déverrouiller, je pense qu'il faut euh, ouvrir les espaces de décision là où se prennent, euh, prennent les décisions. Il faut rééquilibrer, en fait, les forces en présence euh, dans la décision publique. Euh, donc, euh, on en parlait tout à l'heure. Hein, C'est euh, euh, quand vous regardez euh, qui est consulté euh, avant une prise de décision publique qui concerne le secteur financier comme c'est quelque chose qui est technique, la finance, c'est une technicité qui est, euh, qui est euh, comment dire, entretenue, un jargonnage qui est entretenu euh, par l'industrie, euh, avec l'idée, euh, bon, vous inquiétez pas, c'est compliqué, mais on s'occupe de tout. Hein. Euh, donc, et, et, et je pense que c'est très important que ces débats reviennent, en fait, et, et qu'on donne les outils pour que le citoyen se les réapproprie. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui... Très compliqués quand on utilise des acronymes, quand on utilise, mais qui en réalité peuvent être expliqués relativement simplement. Enfin, je veux dire, euh, quand on vous parle, je sais pas moi, de CDO ou de, de finances structurées, etc., enfin, en tant qu'enseignante, j'ai à l'enseigner à mes étudiants, c'est assez facile d'enseigner à quelqu'un qui est en L3 ce que c'est qu'un produit structuré en réalité. Hein. Et, 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 comment, et, et comment dire, la. la, la les conséquences que peuvent avoir le développement de ce type de produit, par exemple. Bon. Donc ça, je pense que ça passe beaucoup, en fait, par, euh, par l'éducation, par le fait de, de réarmer les citoyens. Et puis, je pense aussi que si on veut ouvrir les espaces de décision, par exemple, les fameux comités consultatifs qui sont... Euh, quand vous voyez, il bon, n'y a, a pas que Finance Watch, il y a aussi Beta Finance, il y a Positive Money, il enfin, y, y a des tas d'ONG. Mais à chaque fois, c'est des petites structures. C'est des petites structures, pourquoi Parce qu'il faut qu'elles cherchent de l'argent en permanence. Vous voyez, la grosse différence entre les lobbies et les ONG, c'est pour ça que moi, je ne suis jamais d'accord quand on dit que c'est des, des, des lobbies. Ce ne sont pas des lobbies. Parce que quand vous, euh, vous êtes un lobby, un groupe d'influence, et que vous dépensez des sommes faramineuses hein, pour alléger les réglementations, etc., si vous arrivez à gagner votre combat, euh, vous allez en bénéficier directement sous forme bah, de réglementation allégée, de plus de profits, etc. Quand vous êtes une ONG euh, et que vous gagnez un combat, eh bien vous, moi, tous, on en bénéficie, qu'on ait financé ou qu'on n'ait pas financé l'ONG. Euh, C'est un problème de base d'économie publique. C'est précisément pour ça que euh, la défense nationale, on la paye par l'impôt. Parce que si on nous demandait à chacun combien on est prêt à payer pour la défense nationale, on aurait tous intérêt à sous-estimer ce qu'on paye, parce que de toute manière, on ne peut pas être exclu du bénéfice de... Vous voyez, ben, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que parmi les propositions que je fais dans le livre, je dis qu'il faut subventionner d'une manière ou d'une autre ce contre-lobbying technique. Hein. Je parle bien de contre-lobbying technique. Pour pouvoir rééquilibrer les forces, pour que ça ne reste pas des toutes petites équipes dont une bonne partie cherche à collecter des fonds et qui sont obligées de faire des choix cornéliens sur est-ce que j'accepte d'aller dans tel comité Parce que si je fais ça, ben je me déshabille. Pour, pour, voilà, donc je pense que tu connais ça beaucoup mieux que moi. Mais, mais, mais typiquement, si Finance Watch n'aurait pas vu le jour, s'il n'y avait pas eu un amorçage de la commission. C'est vrai, non Bon, voilà. Donc, euh, donc, donc voilà, ça je pense que c'est très important. Voilà, oui bien sûr. Euh, ouais. bon. Voilà, bon. Et, et, et je, je pense que c'est très très important euh, cela, et, et, et démystifier la complexité de la finance, et puis la dé, décomplexifier. Ce qui est essentiel, c'est la décomplexifier, euh, parce que le, la, la complexité de la finance, le régulateur depuis la crise a eu pour euh, comment dire stratégie de courir après la complexité. Il a toujours un train de retard, et cette complexité est une entrave majeure. À sa réglementation et à, et à la supervision. Complexité des produits, complexité des pratiques et complexité des structures de groupe. Euh, voilà. Et, et ça, c'est un problème politique, en fait. Génial. Euh, donc, du coup, euh, je me permets de conclure à cette première table ronde. Donc, merci beaucoup déjà pour votre intervention. Ce qu'on a entendu ici, c'est que. On avait des solutions, il y avait des moyens de transformer le secteur financier, que ça pouvait passer par de la mobilisation citoyenne et la création d'un contre-pouvoir citoyen, que ça passait par le renforcement des régulateurs, mais qui devait être aussi appuyé et soutenu par les législateurs. Donc l'engagement politique est nécessaire si on veut aussi contrer ce système, parce que c'est vrai qu'on entend souvent euh, dans le milieu néolibéral que les entreprises d'un côté et le, régula... et le législateur de l'autre, mais en fait, non, on ne pourra pas opérer la transformation que dans l'entreprise, mais on le peut aussi à travers le... Euh, L'augmentation notamment de l'investissement de, de responsable, etc., euh, et l'ensemble de ces investissements qui, qui proposent des logiques différentes. Euh, et surtout, euh, si on veut qu'il y ait un débat équilibré, il faut subventionner euh, les contre-lobbies, euh, sinon on n'arrivera jamais. Justement, donc ce ne sont pas des lobbies, on peut les voir comme des lobbies. En tout cas, ce serait bien qu'ils. Ils en est la taille. Euh, donc, au final, c'est contre-groupe qui permet effectivement. contre-pouvoir, voilà, tout à fait. C'est contre-pouvoir qui permet de rééquilibrer le débat euh, au niveau de l'entreprise et au niveau euh, réglementaire. Merci et infiniment pour votre participation. Merci, euh, on les applaudit. Alors, maintenant, on va avoir accès au premier résultat. Donc, euh, quel... Tout d'abord, il, ah, il, il, va va... il va falloir voter. Euh, vous allez pouvoir vous reconnecter <laughs> et rester sur scène, messieurs, dames. Vous allez pouvoir découvrir les, les résultats. Donc, vous allez pouvoir vous reconnecter sur l'URL que vous avez en bas à gauche, ledrange.fr slash sondage au pluriel. Euh, il faut, on va vous laisser quelques temps pour répondre. Donc, Vous avez trois questions. C'est la partie numéro 2. Euh, vous avez trois petits blocs effectivement, de sondage. Là, on va vous demander de répondre à la deuxième partie. Euh, on vous pose trois questions. Alors, les trois questions qui sont posées à la salle, je le dis pour nos intervenants qui n'ont pas les questions. Euh, le premier, c'est effectivement êtes-vous d'accord Est-ce qu'il existe un modèle dominant de finance ça, c'est la première question, effectivement. Oui, non. Et puis, il y a, des, il y a des, deux options qui permettent de modérer un peu ces propos. Euh, si, tant, si tant est qu'il y ait un modèle dominant, on pose après la question de quels sont les problèmes de ce modèle dominant. Et on demande aux participants s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec différentes propositions. Est-ce que c'est l'absence d'une régulation assez forte Est-ce que c'est la déconnexion de la finance par rapport à ce qu'on appelle l'économie réelle Est-ce que c'est au contraire la trop grande. Euh, la trop grande emprise de la régulation, est-ce que c'est l'absence de critères environnementaux, sociaux dans la prise de décision, ou est-ce que c'est les risques qui sont pris par le secteur financier Et enfin, la dernière question, on dit pour vous, effectivement, quelle est l'approche la plus efficace pour faire évoluer les choses ou pour améliorer ce secteur de la finance Est-ce que c'est l'engagement politique citoyen par des ONG, des groupes de pression Est-ce que c'est l'engagement politique institutionnel via les élus de l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est l'engagement académique euh, effectivement, la deuxième question, puisqu'on vous demande d'apprécier, est un peu plus euh, longue à répondre. Euh, vous avez été un peu plus de 95 à répondre à la première question. Euh, y a, euh, qu Il J'ai vu qu'il y avait des personnes qui arrivaient. Les réponses arrivent effectivement au compte-gouttes. On va pouvoir commencer à les passer à l'écran. On les commentera en fait finalement à la fin parce que nos intervenants de la deuxième table vont aussi apporter des éléments. Ah bah Donc on les projettera à la fin et puis en plus on m'a envoyé un texto alert timing voilà comme ça vous savez tout. Donc euh, je vais devoir inviter du coup la deuxième table et en fait à la fin on commentera tous ensemble les résultats globaux parce qu'en fait votre perception aussi des meilleurs moyens de mobilisation va évoluer en connaissant les solution makers. On applaudit encore nos intervenants. Merci beaucoup. fait l'honneur de votre présence. Et maintenant, on va passer au deuxième échange avant du coup l'échange physique qu'on aura euh, pendant le cocktail, euh, grâce à un traiteur libanais tout juste exceptionnel. Donc, j'appelle nos trois nouveaux intervenants. On peut passer à la slide suivante qui, eux, ont souhaité développer un modèle qui permette de lutter contre le lutter ou de transformer ou de contribuer ou d'apporter une solution à ce modèle dominant. J'appelle Réad Boulanoir, qui est le créateur du compte Nickel, hein, que vous connaissez tous ici. Et si vous ne le connaissez pas, euh, ce sera une occasion de le découvrir. J'appelle également Bernard Orenbeck, qui est le directeur de la Nef, qui est une banque éthique, qui se veut proposer du coup un nouveau modèle bancaire. Et j'appelle également Jean-Louis Kiels, qui est le président de Crésus, qui lutte contre le surendettement et qui adresse un problème fondamental dont on n'a pas parlé avant du milieu financier, mais c'est l'appauvrissement aussi euh, et l'exclusion bancaire. Bonjour à tous. Alors. J'ai envie de commencer tout de suite en vous demandant euh, votre avis sur ce qui a été dit avant et comment ça se rapporte à vous, votre propre expérience et votre propre mobilisation. Euh, je vais me permettre de commencer par euh, Bernard euh, parce qu'on a beaucoup parlé des banques et, euh, et je pense que c'est pas mal d'introduire avec ça. Mais d'abord j'ai été très surpris parce que j'ai trouvé qu'on était très critique vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis des financiers, et en particulier des banques. Or, moi, je regarde la publicité tous les jours. Je vois que ce sont des grands artisans du, de la transition aujourd'hui. Donc là, c'était une surprise un petit peu pour moi. Je pensais que la Nef avait fait école en France et que, comme on le disait, cette capacité de transformer l'ensemble du modèle est importante et de pas seulement rester dans la marginalité, mais proposer une alternative qui fait bouger les choses. Je pensais qu'on avait réussi. J'ai compris heureusement grâce à nos experts qu'on avait quand même encore un peu de travail et que, au-delà de la boutade, se pose la question de savoir jusqu'où on peut aller dans la, la transformation. De, de ce monde ou jusqu'où on est dans un moment dans de la politique de communication. Je trouve qu'il y a là une frontière sur laquelle on doit absolument travailler parce que, effectivement, on n'a pas le choix vu les enjeux qui ont été rappelés en termes de transition écologique, par exemple, mais c'est certainement vrai aussi au niveau social. Les enjeux sont tels que ce n'est pas euh, une petite banque comme la nef qui va. Bah, elle toute seule, transformer les choses. Et donc on se doit de travailler au-delà de ça. Mais en même temps, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est euh, se réaliser de l'accaparement la, de d'objectifs et pas toujours la réalisation des objectifs. Je vais prendre un exemple dans le domaine social qui est très classique, c'est la création d'emplois. Euh, en fait, tous, tout le monde fait des statistiques sur la création d'emplois dans les associations, dans les entreprises, etc., dans les politiques. Et si on devait additionner tout ça, on arriverait à, à des chiffres, mais absolument mirobolants. Pourquoi Parce qu'en fait, tout le monde calcule les mêmes, le même emploi qui se crée, il va être calculé par tout le monde. L'auto-entrepreneur qui crée son emploi, bah oui, il crée son emploi, mais il était accompagné par un organisme de financement qui va valoriser le fait qu'il a créé cet emploi. Il était accompagné par un service spécialisé à la création d'entreprises qui va valoriser qu'il a créé cet emploi. Il était accompagné par Pôle Emploi qui lui a favorisé des choses et qui va valoriser cette création d'emplois. Et lui tout seul, il a fini par créer 10 emplois en étant un auto-entrepreneur. Et j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde financier, c'est un peu la même chose qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de de magnificence des effets positifs qu'on a sur la société et que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut, non pas en termes de régulation, qui serait un autre sujet, mais en termes de citoyenneté, comment est-ce qu'on peut arriver à se poser la question de savoir c'est quoi réellement l'effet Comment est-ce que je peux m'y retrouver Et en particulier dans un domaine financier qui est un domaine hyper technique et où même les politiques disaient, M. Orphelin disait, oh, « Je suis le moins savant ici ». Et on est or, effectivement dans une telle technicité qu'on a besoin de retrouver le sens et la simplicité des choses pour comprendre où sont les impacts. Merci beaucoup. Euh, je me permets d'enchaîner avec Riyad. Euh, vous avez plutôt choisi de travailler dans le domaine technologique. Euh, pour pouvoir adresser la problématique du secteur financier. C'est vrai qu'on a peu parlé de ça euh, avant, du coup, de la réformisation même euh, du secteur financier dans ses outils propres. On voit aussi, euh, on entend beaucoup euh, accuser aussi ce, ce nouveau système parce qu'il reproduirait finalement les mêmes effets, notamment on entend la spéculation sur les cryptos, etc. Bon, vous, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'impact que peut avoir la technologie dans la transformation du secteur financier, à travers votre expérience euh, aussi euh, déjà, euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, merci de m'avoir invité. Euh, le regard que je porte sur la, sur, la, sur la technologie, moi je suis un ingénieur de formation, donc je suis vraiment dans la technologie. J'ai une spécialité en intelligence artificielle. Et la technologie, pour moi, elle est incontournable aujourd'hui. Mais pas uniquement dans le secteur financier, dans tous les secteurs. Je veux dire, il n'y a aucun secteur aujourd'hui que je peux imaginer épargné par la technologie. Alors on peut, on peut débrancher la prise de courant, mais on va se priver de beaucoup d'outils. Je pensais que ça serait vraiment dommage. Donc, je crois que la technologie, elle a son. Alors après, il faut de la technologie utile. Moi, j'aime bien la technologie qui soit utile, pas de la technologie débile, pas de la technologie qui va vous asservir, mais de la, la technologie qui va vous aider à, à aller mieux. Et ça, aujourd'hui, il y en a. Donc, le secteur financier. Il a bien évidemment besoin de cette technologie, qu'on l'ait retrouvée dans la dématérialisation ou qu'on l'ait retrouvée dans les crypto-monnaies ou des choses comme ça. L'assurance va subir la même lame de fond. Les métiers de service subiront aussi la lame de fond de la technologie, ce qu'on appelle l'ubérisation. La technologie, elle est là. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie. C'est comme les drones. Hein. Ça peut amener des médicaments et puis ça peut déposer des, des armes bactériologiques. Donc après, ça dépend de ce qu'on fait de cette technologie. Et là, je crois qu'on a fait une... Sur la finance, si je regarde le, la répercussion de la technologie, là on a fait une erreur. On a fait une erreur, on, on va juste remonter un tout petit peu avant quand on était payé en cash, peut-être même à la semaine. On avait une certaine somme qu'on mettait dans la poche. Et puis on avait une vérification du solde, comme on dit maintenant, quasiment instantanée, comme on dit temps réel, puisqu'on pouvait regarder à chaque moment combien il nous restait dans la poche. Ça, ça c'était la première chose. Que j'ai fait, que j'ai réintroduit après avec Nickel, qui s'appelait le temps réel. C'était une, une vraie révolution de pouvoir savoir en temps réel combien exactement d'argent on disposait. Il y a une deuxième différence qu'on n'a pas respectée, c'est que quand vous aviez plus d'argent, vous n'aviez plus d'argent. Je ne sais, sais pas ce que c'est qu'un, je sais ce que c'est qu'un billet de 10 euros, je sais ce que c'est qu'un billet de 50 euros, je ne sais pas ce que c'est qu'un billet de moins 10 euros. Et pourtant, sur un compte bancaire, vous pouvez avoir moins 10 euros et ça ne choque personne. On est arrivé après dans cette bancarisation où aujourd'hui vous regardez pléthore de banques, euh, leur modèle c'est de dire je vous fais une offre de bienvenue. En, en résumé, je vous donne de l'argent pour ouvrir un compte. C'est à peu près le seul commerce que je connaisse où la première fois que vous rentrez, on vous donne de l'argent. Et dans la tête des gens, qu'est-ce qu'un bon banquier Un bon banquier, bon banquier c'est celui qui peut donner le plus gros découvert. En gros, qui peut donner le plus d'argent qu'on n'a pas. Mais qu'on pourrait peut-être avoir besoin, et je vous rassure, on en a toujours besoin, parce que dès qu'on a de l'argent qu'on n'a pas mérité, finalement, ça se dépense relativement bien. Et c'est exactement ces effets pervers moi, que j'ai voulu éviter avec le, le compte nickel. Je me suis d'abord intéressé à un besoin. Le besoin, c'était l'exclusion bancaire. Alors, la Banque de France disait qu'il en avait 3 millions, les ONG disent qu'il y en a 6, la vérité certainement autour des deux, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Je me suis dit, voilà, il y a un besoin, je suis un ingénieur. Alors moi, je ne suis pas tellement dans l'observation, mais je suis vraiment dans l'action. Voilà, il y a un besoin, il y a un problème, et il faut une solution. Quoi. Et la solution, je sais très bien que je ne vais pas euh, réinventer le monde. J'arriverai pas, n'aurai pas assez d'une vie pour réinventer tout le monde. Par contre, ce que je peux faire, c'est de m'adapter avec les règles du jeu existantes et voir comment, quelque part, on peut faire une forme de clé de bras là-dedans pour les amener à faire quelque chose qui va servir l'intérêt général. Et c'est comme ça qu'en lançant le compte Nickel, je me suis dit... L'accès à la banque doit être possible pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir des lois, des législations dans lesquelles on fait des droits aux comptes, on envoie des gens à la Banque de France qui reviennent avec un papier devant la Banque postale pour leur dire, s'il vous plaît ou vraiment un compte Eh ben non, euh, voilà. Mais par contre, je vais... on a un discours de vérité. On a un discours de vérité. Un compte, ça coûte de l'argent et ça coûte 20 euros et c'est ce que je leur ai dit. Et puis, on a un devoir de, il faut arrêter d'infantiliser les gens euh, et il faut essayer que les gens arrêtent de s'infantiliser parce que c'est pas parce que la carte est passe qu'on a l'argent. Voilà. Et là, je me suis dit, on va faire une règle très simple. Vous pourrez dépenser tout ce que vous avez jusqu'au dernier centime, mais pas un centime de plus. Ça se bloquera automatiquement. Donc on a remis une règle, une règle sans exception, qui était la même pour tout le monde. Moi-même, je suis sur le compte Nickel et je ne suis pas le plus, le plus démuni des comptes Nickel. Euh, et mais dès que j'ai zéro, ça sera zéro et c'est la même pour tout le monde. Et je pense que les meilleures règles qu'on puisse inventer, c'est celles qui n'ont pas d'exception. Et, voilà. et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. C'est extrêmement intéressant, en fait. On a l'impression qu'on revient. Euh, aux racines de la finance, et c'est ce que j'ai l'impression que vous faites également à la NEF. Derrière, on sort en fait des opérations de financiarisation. On n'est que dans l'économie réelle, on n'est que dans le rôle premier de la finance. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez développer aujourd'hui, et comment euh, est-ce que comment est-ce que ça fonctionne la NEF, et pourquoi est-ce que ça fonctionne différemment d'une banque classique, la NEF ou en tout cas une banque éthique qui aurait, qui, ré, qui serait régie par des principes que vous défendez. Mais je pense que le, le, le premier des principes, c'est effectivement de revenir à l'idée euh, principale portante de ce que c'est une banque, c'est-à-dire d'être un intermédiaire entre des épargnants et des gens qui ont besoin d'argent pour réaliser des projets. Et finalement, on n'est jamais que cette espèce d'interface et à essayer de créer du lien et de refaire de cet argent quelque part du lien entre des personnes. Parce qu'à la différence de la banque traditionnelle dans laquelle l'argent rentre dans une grande boîte noire euh, dont on ne sait même plus que l'argent il a une vie finalement, euh, il rentre sur un compte et puis à un moment on va le chercher dans une machine euh, un peu comme au casino, on fait un petit chiffre et hop il y a un billet qui sort et, et entre les deux... C'est le mystère. Ça n'existe pas. Il a fallu la crise de 2008 pour qu'on commence à redécouvrir que, mais si, il se passe des choses là, avant que cet argent une sorte. Et finalement, la Nef, les fondateurs de la Nef, il y a 30-40 ans, ils ont voulu directement remettre la lumière sur cette zone d'ombre, c'est-à-dire de se dire... Mais votre argent, il a une vie. Il va dans des projets. Il circule. Il va ici. Il va là. Il est, il est dans des choses porteuses. Il est dans des choses qui le sont moins. Donc vous devez savoir où, est, où va votre argent. Et le principe de la nef, c'est ça. C'est de dire, vous êtes épargnant. Eh bien, vous allez savoir comment votre argent va circuler, à quoi il va servir. Et donc, depuis le début, la nef, elle publie tous les ans l'ensemble de ses contrats de crédit, c'est-à-dire à qui est-ce qu'elle prête de l'argent, combien, à quelles conditions ce qui est une folie euh, commerciale parce qu'en fait on dit à tous nos concurrents euh, regardez là vous avez un, un vivier de clients potentiels euh. mais ça fait partie de cet engagement qu'on a aussi nous par rapport aux, aux citoyens et par rapport aux épargnants de leur dire avec nous votre argent il ne va pas aller n'importe où on va on va le soigner on va lui donner du sens on va le on va le bichonner. De la même façon que quand on va acheter de, <coughs> des légumes bio eh bien, et ses et, et, et produits locaux, on sait qu'il y a derrière quelqu'un qui a travaillé, qui a pris soin de ce légume et qu on, quand on va manger, on ne va pas manger n'importe quoi. Mais l'argent, c'est la même chose. Il y a des gens qui en prennent soin et qui veillent à ce que cet argent il soit propre, à ce qu'il ait une vie qui soit constructive, à ce qu'il participe d'une amélioration de la société et à ce qu'il soit de ces leviers de la transition, de la justice sociale, etc. Et ça, c'est le modèle de la NEF, c'est d'essayer de recréer cette dynamique-là et de donner en tout cas cette garantie que nous, on va soigner ça, on va veiller là-dessus. Et qu'en plus de ça, vous pouvez tous être les acteurs, j'allais dire les actionnaires, mais non, la part coopérative n'est bien sûr pas une action. Et d'ailleurs, on a eu des tas de problèmes avec les régulateurs liés à ça, parce que bien sûr, on, une banque doit avoir des fonds propres, mais nous, on ne peut pas faire un appel public pour les parts de coopérateurs, parce que ce ne pas des titres financiers. Bon, ça, ça paraît un peu bizarre, mais, mais bien sûr, il y a des exceptions et elles sont nommées dans la loi, mais pas de chance, la nef n'y était pas. Donc, il faut augmenter les fonds propres, mais bon, enfin bon ça, c'est les joies de la, de la régulation, parfois. Et je, je m'égare, parce que c'est pas non, ça le sens un... du projet, ça, c'est C'est quand même intéressant, on va y revenir, parce que, quand même, euh, ce qui bloque, et on, on parlera après des challenges, mais, finalement, dans ces réponses, euh, qui, aujourd'hui, sont essentielles pour pouvoir transformer le secteur financier, il y a des gros challenges. On ne peut pas agir aussi bien qu'on voudrait auprès du politique. Euh, donc euh, Monsieur Orvelin est en, est en mandat, donc euh, il n'est pas question de plutôt d'accuser aujourd'hui la manière dont fonctionne l'organisation politique. Mais bon, on aurait pu. Euh, oh, les régulateurs aussi ont un pro, une problématique aussi d'approche euh, des acteurs financiers et des acteurs de la finance solidaire, parce qu'il n'y a pas de distinction aujourd'hui entre le secteur financier euh, classique et le secteur financier responsable et solidaire. Donc finalement, malgré qu'on réponde à des problématiques de financement de l'économie réelle, à de la transparence d'information, etc., et que ces entreprises soient labellisées, notamment par Finansol, qui assure Finansol, qui est l'association de la finance solidaire, qui assure derrière cette transparence d'information, cette bonne allocation des fonds vers des projets d'impact. On subit quand même une charge en termes de réglementation, et j'aimerais qu'on revienne euh, là-dessus juste après. J'aimerais juste pouvoir euh, introduire Jean-Louis en abordant le sujet de cette manière-là. Vous vous adressez aujourd'hui des perdants de la, du secteur financier, qui sont les entreprises, les PME notamment, euh, qui, trouvent, qui ont du mal aujourd'hui à s'intégrer dans le système financier classique et, et à se financer comme elles le souhaiteraient. Vous, Jean-Louis, vous, vous, vous aidez pardon, et vous accompagnez, vous adressez d'autres perdants du secteur financier Oui, absolument. Euh, euh, Crésus est né d'une colère il y a 30 ans, ça signifie Chambre régionale du surendettement social. Et l'acronyme fait Crésus, donc on reçoit comme Rothschild parfois, mais nous sommes plutôt riches de nos solidarités. Donc c'est une institution qui constituée de bénévoles sur aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français. Nous accueillons les ménages et les entrepreneurs en situation de, de surendettement, donc ils sont victimes d'excès. Donc ça représente près de 200 000 ménages par an. Euh, trois suicides par jour, donc de, de personnes en grande difficulté qui ne, qui ne voient plus d'issue possible. Euh, on a fait ça pendant 30 ans et en 2008, avec la crise, on a décidé de, euh, de, de coopérer avec le monde bancaire au lieu de tourner le dos et euh, de proposer aux banques, aux établissements financiers, aux grandes entreprises, lorsqu'ils ont un collaborateur en situation de fragilité ou. Un client en difficulté de nous les orienter via euh, d'ailleurs grâce au numérique hein, via un intranet sécurisé et d'intervenir de, de faire le budget avec ces personnes et d'intervenir auprès de l'ensemble des créanciers de chercher des solutions douces. L'autre solution étant le dépôt de bilan ou le, le dépôt d'un dossier de surendettement. Mais c'est aussi la colère qui nous a conduit à, à, à faire du plaidoyer, ce qu'on appelle du lobbying, puisque la France. Et le dernier pays avec l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, la Corée du Nord et Cuba, ne pas avoir de registre des crédits, ou lorsqu'un citoyen prend un crédit à la consommation, on puisse vérifier s'il n'a pas déjà deux ou trois crédits en cours et que le quatrième risque de le, de le faire sombrer dans, dans le surendettement avec des conséquences sociales, mais aussi financières et nous avons fait un plaidoyer pendant, pendant 30 ans. Ma première démarche, c'était d'aller en Allemagne, vous l'entendez à mon accent, le siège fédéral est en Alsace, et euh, aller voir le choufa qui avait été créé en 1926 et qui marche très bien, et qui évite justement d'aller vers la spirale du surentêtement. Mais au lieu de nous opposer aux banques, donc on a essayé de co-construire, de, de, de partager des des valeurs également, d'intervenir en matière de formation et aujourd'hui les grandes banques, les établissements financiers nous envoient souvent très tard les personnes en difficulté mais ça permet euh, de, de dialoguer et de, de construire peut-être un monde meilleur parce que nous avons besoin du secteur financier, du secteur bancaire euh, pour... Euh, et, tenter de, de, de lutter contre les grands fléaux dont, dont la pauvreté. Alors la France a un deuxième vice, c'est-à-dire l'accès au crédit est très difficile pour les populations qui ne rentrent pas dans les scores. Vous êtes fonctionnaire, vous pouvez prendre 18 crédits en sortant d'ici, mais vous êtes un jeune qui démarrait en intérim, très difficile de trouver du financement. Donc il y a également un progrès en matière d'accès à faire. Et on a décidé d'aller encore plus loin et d'utiliser les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, euh, créer un outil de gestion. Nous avons la DSP2 qui va entrer en vigueur, l'open banking, qui va nous permettre à tout citoyen d'accéder au travers d'outils à sa situation bancaire, mais avec un recalcul du reste à vivre qui est différent du solde qui figure sur le compte en banque. On, notre outil permettra aussi de calculer l'ensemble des droits sociaux. Vous le savez, il y a 3 milliards d'aides sociales qui ne sont pas réclamées par les citoyens. Vous savez, nos règles sont très extravagantes, complexes. Donc l'outil permettra de calculer en temps réel si vous avez droit au RSA activité. Et on va aller plus loin. La personne pourra remplir automatiquement le document et l'envoyer auprès de... de des services, enfin, j'espère que l'État va se moderniser, qu'on pourra, euh, via le numérique, transférer euh, les demandes plutôt que de faire la queue à un guichet social. Mais on va aller plus loin et résoudre ce problème. Et j'en finis parce que ça, c'est le rêve ultime. C'est de, de permettre à tous citoyens et notamment les intérimaires, ceux qui sont exclus du crédit ou qui accèdent difficilement au logement. Vous savez, un, un jeune qui sort de l'université, qui veut trouver un logement, il faut des cautions, des garanties, etc. De fournir en temps réel euh, une attestation de solvabilité, ce qu'on appelle la fiche de dialogue. Il y avait un monsieur de la CPR et de la MF. Mais qui est faite aujourd'hui de façon déclarative, la personne pourra fournir, produire ce document auprès des banques et peut-être accéder au crédit dans des conditions responsables, à des taux euh, euh, supportables. Vous savez, le crédit, euh, le, le crédit, c'est la finance et le crédit, c'est une forme d'oxygène, hein, d'oxygène économique. Et priver les plus, les pauvres, euh, de l'accès au crédit, c'est finalement les asphyxier. Ça permettrait de libérer aussi des talents. Il y a, il y a beaucoup de jeunes qui veulent créer des, des, des entreprises. Et donc, notre rôle, notre rêve, et vous le verrez, ça s'appelle BGV, ce n'est pas le TGV, c'est budget grande vitesse. Eh bien, notre rêve, c'est de permettre à chaque citoyen d'avoir un outil. On interviendrait comme tiers de confiance. Il n'est pas question d'exploiter les données. On aura des algorithmes de fragilité. On est en train de travailler sur des algorithmes avec les intérimaires pour démontrer qu'un intérimaire, euh, a, selon son profil, peut retrouver des missions sur mission et être aussi solide qu'un fonctionnaire qui a l'emploi à vie. Donc on veut transformer le monde et donc ce projet est en train d'être construit avec des ingénieurs. On a eu des aides, des soutiens. Euh, on, a, on a emprunté de l'argent auprès des ISR qu'on remboursera on s'appelle Crésus, on le remboursera il nous faut des taux euh, raisonnables parce que euh, n'oubliez pas l'ESS, l'économie sociale et solidaire euh, euh, doit chercher aussi la, euh, comment dire, la rentabilité sinon ça devient euh, un organisme de charité il y, a, il, y a, euh, il y a des moments où il faut faire des dons aux plus fragiles mais il y a des moments où il faut prêter de l'argent et euh, à Crésus, nous faisons du microcrédit social, c'est-à-dire permettre à un SDF euh, de retrouver un logement ou une voiture pour aller travailler, peut-être dormir le soir, mais retrouver la dignité. Et croyez-moi, c'est modeste. Hein, sur 1,5 million, c'est presque autant que ce qu'on met à l'écologie, à la caisse des Dép... enfin, le, le, qu'on devrait utiliser pour, pour uh, le progrès écologique. Mais sur 1,5 million, cinq, on a eu 500 euros à payer. Donc vous voyez... On prend pas de risque parce que les, on accompagne les personnes. Donc le crédit c'est quelque chose de formidable et, et plutôt de nous, que de nous dire que le social c'est propre, l'économie c'est sale, donc de se tourner le dos finalement, de travailler ensemble avec le monde économique. Ça permet du progrès tout en gardant chacun nos valeurs, parce que nous savons également euh, grogner euh, un peu comme attaque. On le fait de manière plus discrète. Bien, on a des lobbyistes qui nous, qui nous donnent un coup de main, qui, le lendemain, vont défendre des banques. Mais pendant une journée par mois, ils vont plaider en notre faveur. Et on a obtenu des, des réformes intéressantes en, en travaillant en souterrain modestement. Voilà. Merci beaucoup. Euh, avant d'avoir un crédit, il faut déjà avoir un compte bancaire. Et, on, et dans notre société, euh, si on n'est pas dans ce... En fait, on ne peut pas vivre à côté du secteur financier. Si on n'a pas de compte bancaire, on n'est rien. C'est horrible, mais c'est une réalité. Euh, et finalement, quand on voit l'aventure du nickel, qui est, qui est quand même partie de, de ce constat, euh, on, on a pu beaucoup lire que derrière, euh, même si c'était un service qui était dédié aux non-bancarisés à l'origine... Il a été beaucoup souscrit par des personnes qui étaient bancarisées, mais qui contestaient ce système. Euh, J'aimerais euh, vous entendre là-dessus, Riyad. Ben, je pense que ce que j'ai réussi à faire sur Nickel, c'est d'une part euh, euh, m'intéresser à l'intérêt général, et comme le rappelait Jean-Louis. Euh, J'aurais jamais eu un agrément de la CPR, euh, du régulateur, si j'avais pas un business model qui est pérenne. Quoi. Je veux dire, le régulateur, il a pour but de s'assurer que la solution que je vais fournir à X milliers de personnes va pouvoir s'inscrire dans le temps. Donc le côté euh, purement caritatif, il est, il est, il est peut-être louable, mais il est purement insuffisant surtout. Euh ce qui fait que ça a marché, je crois que la promesse était claire et que c'était simple. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'opacité, on l'a entendu lors de la première table ronde, et là, il y a eu beaucoup d'opacité dans la finance, il y a encore beaucoup d'opacité. Les gens, si vous leur dites euh, votre banque, est-ce que tu sais combien elle te coûte ben, Ils ne savent pas exactement. Euh, est-ce que tu sais ce qu'ils font avec ton argent ben, Ils ne savent pas exactement. Et d'ailleurs, on a même tendance à en perdre la propriété. Un peu. On a l'impression que c'est aux banquiers qu'il faut qu'on demande à chaque fois. Et donc, euh, je crois que ce message qui était clair, de dire tout simplement, bah, votre argent, il n'est pas replacé, il est disponible jusqu'au dernier centime à tout moment, et c'est encore le cas, parce que l'argent des dépôts ne sera pas replacé, je ne vais pas prendre du risque avec votre argent. Le fait de dire... Je fais travailler des gens, il y a des salariés derrière. Je vais vous le facturer un prix raisonnable sur lequel je me fais un profit raisonnable et je me suis jamais euh, défaussé ou, ou essayé de planquer le fait qu'on faisait un profit. On faisait travailler des buralistes qui permettaient de faire notre, notre, notre point de relais. Je crois que le message était tout simplement clair, c'était sain. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit, je ne finis plus le mois dans le rouge, voilà, parce que maintenant je dépense que ce que j'ai et je dépense pas ce que j'ai pas, parce que dépenser ce qu'on n'a pas. Ça s'appelle faire du crédit, mais faire du crédit, vous avez deux formes de crédit. Vous avez le crédit, vous avez la dette qui est utile, et puis vous avez la de dette, la, la dette qui est inutile. Si vous financez sur six mois le, le, le caddie de la semaine, vous avez un, un, une durée de remboursement qui est supérieure à la durée de consommation. Donc c'est forcément du mauvais crédit. Si en revanche vous financez un, un véhicule pour aller reproduire de la richesse, c'est du bon crédit. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, euh, le fait tout simplement de le, donner les découverts, c'est de donner un crédit sans allocation, sans qu'il soit dédié à quelque chose. Quoi. Et je crois que c'est ça qu'ils ont retrouvé également, les gens. C'est une forme de simplicité, de pouvoir utiliser toute la technologie et toute la dématérialisation. Mais toujours en restant dans, dans le système cash, en fait, comme quand on était payé en espèces. Voilà, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Et c'est ce, aussi simple que ça. Vous êtes développé indépendamment pendant longtemps et, euh, et ça va être intéressant du coup de pouvoir euh, op opposer d'une certaine manière ou pas vraiment avec euh, l'initiative de Bernard. Mais finalement, vous avez décidé euh, d'intégrer un groupe bancaire pour justement avoir plus d'impact. Euh, Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette décision et est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là finalement qu'on arrivera à Transformer le secteur financier, c'est pas en développant nos initiatives, l'ITA, la NEF, etc. Indépendamment, mais c'est vraiment en travaillant avec le système de l'intérieur. Quelle est votre vision là-dessus Moi, quand j'ai commencé, personne n'y croyait, quoi. Personne me croyait. Quand j'ai dit, on va ouvrir un compte bancaire j'ai euh, dans un bar-tabac en cinq minutes, et c'est le buraliste qui va t'ouvrir hein, le compte, et euh, tu auras une carte Mastercard et tu pourras tout faire euh, sur ton appli, etc. Quand j'en parlais à des banquiers, ils me disaient « Mais t'es complètement fou, quoi. En fait, non. Une banque, c'est une agence, c'est un directeur d'agence, c'est un chargé de, euh, des particuliers, un chargé des professionnels, c'est un coffre-fort et c'est tout ça, une banque. Ça ne peut pas être ça. Euh, » ça Donc euh, au départ, effectivement, on m'a dit euh, on n'y croit, croit pas. Moi, j'ai regardé la régulation et je me suis dit, est-ce que ce que je veux faire est possible Le besoin, je l'avais. Est-ce que ce que je veux faire est possible Là, c'était un vrai travail. Pendant trois ans, il a fallu travailler. Je me suis, il a fallu investir aussi beaucoup d'argent, parce qu'il ne faut pas rêver. On ne travaille pas qu'avec du bénévolat. Hein. Le bénévolat, c'est une source de travail qui est relativement peu fiable, et pas forcément compétente. Donc, on a investi de l'argent. Et puis, à un moment, je me suis dit il bah, y a un marché, il y a un besoin, il n'y a pas de que ça marche pas. Si on le vend, si je fais pas des cadeaux de bienvenue, si je raconte pas que tout est gratuit et que je vais donner de l'argent, si on le vend, je peux en tirer un profit. Et si j'en tire un profit, je vais pouvoir motiver tous ceux dont on a parlé de l'économie classique qui eux veulent placer de l'argent, mais un peu comme vous. Quand vous allez voir votre banquier, vous choisissez le rendement le meilleur sans forcément chercher ce qu'il y a derrière. Hein et bien eux ils faisaient pareil et donc ça m'a permis de euh, constituer euh, 29 millions d'euros qui a été nécessaire pour obtenir et pour pouvoir ouvrir mon premier compte nickel. On a eu 145 actionnaires. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas Ariadne de faire ça. c'était certainement pas Ariad de la mort d'inventer une, une solution qui permettait à 3 millions de débancarisés d'avoir un compte bancaire en 5 minutes, sans être obligé de s'excuser, sans être obligé de faire la manche. Voilà, ce n'était pas à moi de le faire. Et euh, le régulateur, et là-dessus en France, on n'a pas à pallier de notre régulateur, on a un très bon régulateur, mais le régulateur qui a l'habitude de travailler avec des banques, il a tendance à augmenter les exigences. Parce que les banques, ça, quand même, elles ont bien vécu. Alors elles vivent un peu moins bien, elles gueulent beaucoup, mais elles ont quand même bien vécu jusqu'à maintenant. Hein, entre les frais d'incident, entre les, les agios, les crédits, enfin, on, chaque semaine on entend une histoire. Quoi, hein, donc elles ont bien vécu. Et du coup, on se, je me retrouvais à refragiliser en fait, mon modèle. En disant, si je continue aujourd'hui comme je le suis parti, si demain j'ai le moindre incident, si demain j'ai le moindre pépin, soyons bien clairs, je n'ai pas du tout euh, l'armée derrière pour être capable de, de faire face. Et je risquerais de planter moi-même mon système. Et à partir de là, je me suis dit que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Une fois qu'on a montré et qu'on a démontré que ça marchait, et quand j'ai revendu ça à la BNP, je, enfin, je ne me suis pas intégré parce que j'aurais revendu, ils m'ont dit, bien joué, bien joué, on n'y croyait pas. Bravo! Voilà, c'est une nouvelle façon d'innover. Ça nous intéresse. On n'aurait jamais pu le faire de l'intérieur. Parce qu'encore une fois, de l'intérieur, ce qu'ils nous avaient dit, c'est qu'il fallait une agence bancaire, un directeur d'agence, un chargé particulier, un chargé pro, et un coffre-fort et une guichetière. Eh bien, on n'aurait jamais pu le faire. On, aurait même, on nous l'aurait même interdit de le faire. Vous l'avez fait. Ça marche. Bravo. Ça répond à nos critères. C'est rentable. Ça répond à nos critères. Ça ne perd pas d'argent. C'est rentable. Donc, oui, on va lui donner. Toute la, toute la puissance maximum, et c'est exactement ce que je voulais, je voulais que ça inonde sur le plus grand monde. Voilà pourquoi j'ai été sur la... Et pourquoi j'ai revendu un gros groupe. Et comme dit Jean-Louis, on frappe à 100. C'est eux qui ont la puissance de frappe. C'est eux qui ont les milliards. J'ai entendu les bilans. C'est eux qui ont les milliards. Donc on peut essayer de faire ce qu'on veut avec nos 1 million, 1 million et demi, 2 millions. Mais c'est une, une source qui se tarit très, très vite. Donc on, il faut mieux travailler avec eux. Oui. Et c'est... Ah. Merci. <laughs> Et c'est eux aussi qui ont euh, le respect des banques centrales, qui ont le respect et euh, la légitimité auprès de certains régulateurs, etc. Quand on veut créer une banque éthique aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce qu'on est obligé de dépendre d'une banque Parce que on nous dit souvent, oui, mais les caisses dépeintes, c'est BPCE, oui, mais le crédit coopératif, c'est BPCE, oui, mais machin, c'est la nef, c'est des crédits coopératifs, donc finalement c'est BPCE, donc c'est Natixis, donc c'est le méchant. Bon, euh, voilà, on fait pas mal de, de raccourcis. Quel est l'état de fait aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Déjà, rien que pour comprendre. Mais je crois d'abord que si vous voulez créer une banque éthique, il vaut mieux abandonner tout de suite. En Europe aujourd'hui euh, certains s'y essayent, euh, les Croates euh, tout récemment. Et pour le moment, ça n'est plus possible de créer une banque éthique, pour ainsi dire. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans un système qui vise à, à centraliser au maximum. Et quelque part, on paye dans les banques éthiques euh, le, quelque part les effets de 2008. Alors qu'en 2008. Euh, aucune des banques éthiques n'a été impactée par la crise et, au contraire, euh, elles ont pu y trouver aussi un, un sens nouveau et de réalité, une vision qu'elles n'avaient pas, mais surtout aucune n'a été en difficulté en Europe. Et pourtant, la régulation, elle a, elle a visé à favoriser les grands groupes bancaires dont on parlait là tout de suite. Et à centraliser de plus en plus. Alors, ça s'est fait de façon plus ou moins différenciée suivant les pays, mais en Espagne, on a, on a liquidé les petites caisses et on a obligé à des fusions. Aujourd'hui, ça se fait d'une façon qui s'est fait un peu plus douce, mais en Italie, on, en France, on est quand même dans des rassemblements autour des quelques grosses banques. Et aujourd'hui, créer une banque en étant en dehors de ça est à peu près impossible, et c'est la raison pour laquelle. Je ne m'oppose pas du tout au modèle tel qu'il est décrit avec les comptes nickel, parce que je pense que c'est dans l'alternative technologique que se trouve aujourd'hui l'innovation. Et qu'aujourd'hui les grandes banques sont prises dans un tel système extrêmement figé. De temps en temps, comme ça, quand je me laisse aller, j'imagine un syndrome de la bancarite. C'est-à-dire qu'on est pris dans un mode de fonctionnement basé sur la peur, basé sur l'immobilisme, basé sur la... Il faut à tout prix que toutes les choses soient identiques, que tout le monde travaille de la même façon, et qu'on est dans une espèce d'hyper-régulation, -régul mais qui amène aussi à une hyper-peur, qui amène aussi à un fonctionnement de plus en plus contraint, de plus en plus serré, de plus en plus... Entouré et où l'innovation ne trouve que très très difficilement sa place, où la différenciation telle qu'on essaye de la promouvoir à la nef trouve de plus en plus difficilement sa place, parce qu'effectivement, comme vous le dites, nous on est obligé d'être adossé à une autre banque parce qu'on peut pas exister tout seul, le système ne peut pas le permettre aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on est obligé de se plier aux règles. Cette banque, pas de chance, elle fait partie d'un groupe bancaire parce qu'on est dans une centralisation qui a ses règles, qui du coup vont s'appliquer et qui vont s'appliquer. Et puis ce groupe, il est systémique et puis il est régulé par la BCE. Et on se retrouve sans doute une des plus petites banques de France à être régulée par la BCE finalement in fine. Et, et là, il y a quand même quelque chose dans le système qui fait qu'il faut être. Il faut être fou comme nous pour pouvoir continuer à essayer de trouver cette voie. Pourquoi Parce qu'on euh, estime qu'une fois qu'on y est, il y a quelque chose à, à, à soigner et à soigner à tout prix parce qu'on euh, ne peut pas se permettre que d'avoir un seul modèle financier. Je, je reviens quasiment sur la table ronde précédente. Et je, et je crains que ce ne soit ça l'évolution actuelle. Et quand je dis tout ça, je ne critique pas la régulation en soi. Est une nécessité. En 2008, on l'a vécu de près. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver des systèmes alternatifs où on n'est pas vraiment des vraies banques, mais où en même temps, on peut proposer quelque chose de différent. On est dans l'utilisation dans, dans du crowdfunding, dans l'utilisation de, de mécanismes de comptes de paiement on est dans, dans des, des alternatives et on doit chercher l'innovation dans des alternatives technologiques. Et certainement que ça pose la question de quel est l'avenir du système bancaire. Mais aujourd'hui, on autorise les, les expérimentations technologiques. Mais le monde bancaire doit surtout rester un monde bien lissé, bien polissé, bien, bien entretenu par, euh, par la peur qui doit l'animer à tout prix, d'autant plus qu'il a montré à quel point il devait avoir peur, parce que s'il n'a pas peur, il risque de plonger tout le monde. Et donc c'est là où on est pris dans un cercle un peu vicieux, parce que la régulation doit se faire, et on l'a vu, et il faut le faire, et il faut la défendre à tout prix. Mais en même temps, une régulation qui mène à une homogénéisation et qui mène à une centralisation vers quelques groupes bancaires n'est pas sans danger. Et en tout cas, pas sans danger pour l'éthique et pour les banques éthiques. Et donc, euh, je suis une aparté quand même. Je trouve ça intéressant le fait que la réglementation soit, soit tellement euh, impossible à contourner qu'on se, on innove en fait finalement pour trouver des moyens de la contourner et on trouve des innovations là-dedans. Euh, nous quand on a développé l'ITA, c'était ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour rediriger les vers l'économie réelle, mais sans rentrer dans la réglementation, dans la, régle, dans la régulation bancaire. Bon, on utilise une plateforme, machin, etc. Et derrière, bon, on, on devient des acteurs régulés parce que la banque va réguler. C'est la même chose sur la partie euh, compte de paiement où il euh, y a eu des réglementations derrière, mais qui, qui se sont adaptées à ces nouveaux modes. Donc finalement, on peut leur dire merci d'une certaine manière euh, parce qu'ils nous ont poussés à innover, oui ou non Et si on leur dit pas merci, du coup, Bernard, parce que là, en ce moment, tu n'a pas trop envie de leur dire merci, je pense, qu'est-ce qu'on leur demande de, de changer et quelle serait ta demande, toi, aujourd'hui, si tu avais une baguette magique, là, et que tu pouvais ou faire avorter un amendement, pardon, pas avorter justement, quel lapsus, euh, genre permettre à un amendement euh, de voir le jour ou à une politique mise en place par un régulateur de sauter, qu'est-ce que tu demanderais, là, aujourd'hui c'est-à-dire, ce que je pense, c'est qu'il faut à tout prix pouvoir faire des différenciations en fonction de ce qu'on fait et en fonction, de, en fonction du, du risque aussi qu'on peut représenter. On a longtemps milité à la FBA, donc la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, à ce qu'on détermine une. à ce qu'on donne un critère à ce que ça peut être une banque éthique, à ce qu'on leur donne une existence, une reconnaissance, de façon à ce que ce ne soient pas les mêmes implications et les mêmes exigences qui se retrouvent suivant le type d'activité. Et. Notamment en démontrant à quel point en 2008, on avait pu, partout en Europe, pas une seule, mais par contre, je crois que c'était les Danois, ils ont été obligés de payer un million d'euros de solidarité aux banques qui étaient en difficulté et qui faisaient n'importe quoi avec leur argent. Et donc cette banque éthique, elle a dû payer pour ça. Donc je veux dire, on a eu beaucoup les conséquences et le manque de reconnaissance fait que c'est difficile d'exister en tant que tel. Et donc, je pense que c'est là qu'est probablement la, la solution. Avec une difficulté, c'est celle qu'on qu évoquait aussi dans la première table ronde, c'est la technicité qui fait que la question échappe largement aux politiques aujourd'hui. Et que c'est très difficile pour les politiques de pouvoir s'emparer clairement de cette question, qui du coup laisse quand même une large place à... Aux administrations, aux techniciens, aux régulateurs, à, à toute une frange qui fait partie d'un monde. Et, et je, je dis ça, je, ne, je critique pas les régulateurs. J'ai eu la chance d'en rencontrer, d'en rencontrer des extraordinaires et d'avoir des discussions passionnantes avec eux. Mais en même temps, on n'est pas dans le même monde. Quand un jour, en Belgique, donc c'est en dehors, je vais trouver le régulateur et je leur dis "Nous, dans notre coopérative à Crédal, on, on, on promet à nos sociétaires." Tout de suite, je sens une tension terrible. On promet des choses à nos actionnaires. Oui, on, on leur promet qu'ils ne seront jamais riches. Bon, ouf, soulagement. Soulagement, et puis en même temps, une incompréhension totale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et ça change petit à petit, parce qu'on parle de plus en plus de, de la finance solidaire, parce qu'on parle de plus en plus des transitions. Des... Mais. Si on veut toujours être dans l'innovation, il faut continuer à pouvoir donner une place à la finance éthique. Aujourd'hui, on ne parle plus que du bio et tous les grands magasins ont des rayons bio extraordinaires. Mais il y a 30 ans, quand vous étiez un agriculteur que vous vouliez vous convertir en bio, eh bien, à part la nef, vous pouviez chercher à travers toute la France, vous n'aviez jamais trouvé quelqu'un. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si vous faites des énergies renouvelables, aujourd'hui, vous n'aurez pas de problème. Si c'est de la biométhanisation, c'est quand même trop compliqué, trop risqué. Mmh. Si vous faites des réseaux de chaleur, une éolienne, c'est quand même plus rassurant. Quand elle est citoyenne, on aime déjà moins. Je veux dire par là que ce sont des choses qui ont pu se développer parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des institutions, il y a eu des financiers solidaires ou éthiques qui ont été là pour pouvoir faire se développer les choses autrement. Et il faut à tout prix qu'on garde ça parce que l'homogénéisation, elle pousse à la tétanisation, à l'immobilisme. Elle va permettre cette créativité dont on parlait là tout à l'heure. Mais cette créativité, elle ne fait pas tout. D'ailleurs, elle se fait vite reprendre aussi dans le système peut-être pour l'améliorer de l'intérieur, c'est ce qu'on peut espérer, mais ça veut dire qu'il faut continuellement retrouver la... et réinventer de l'extérieur de ces banques, comme ils te le disent euh, quand tu, tu, tu expliques qu'ils n'auraient jamais pu le faire de l'intérieur, mais non, on ne peut plus le faire de l'intérieur. Merci beaucoup. Jean-Louis, euh, j'aimerais qu aussi que tu puisses faire euh, ta lettre au Père Noël ce soir, parce que... Pardon, je, je tutoie maintenant, ça y est, c'est la fin de la conférence, on va manger bientôt. Ah, <laughs> Puis je tutoie normalement dans la vie de tous les jours, donc c'est toujours compliqué d'adopter cette posture. Euh... Absolument, <laughs> si j'avais un rêve, ouais. ben, c'est de pousser euh, l'éducation financière et, et de nos concitoyens pour qu'eux-mêmes qu puissent s'emparer et bien comprendre les mécaniques. Là, on a lancé un programme, on a formé 500 000 jeunes en, en trois ans. Et on espère. Euh, et, et ce qui était intéressant, c'est j'avais emmené des, des, un membre du comex d'une grande banque avec moi, puisqu'on emmène à chaque fois un banquier. Ils ont un peu peur de, de nous accompagner, mais ça se passe très bien. Et puis les jeunes, on avait un problème de, je crois, de projecteur, et, et, et donc on a parlé librement. Et les jeunes, la première question qu'ils posaient à, à ce grand patron, hein, de euh, euh, qu'est-ce que fait la banque avec notre argent? Voilà, c est, c est, moi j'ai trouvé ça extraordinaire et donc il a fait une belle démonstration de, du, du fonctionnement de la banque et, et, et donc je pense qu'il faut, qu faut vraiment promouvoir l'éducation financière parce qu'on est dans un pays tartuf, vous savez, on n'aime pas parler d'argent et quand les gens ont des problèmes d'argent, ils se cachent alors qu'au contraire, il faut les résoudre rapidement. Ça a souvent des conséquences dans les ménages. Les gens divorcent, non pas parce qu'ils ne s'entendent plus, mais parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Alors que les problèmes d'argent, on peut toujours les résoudre, mais il faut venir tôt. Et donc, euh, promouvoir l'éducation financière et, et budgétaire de tous, euh, savoir calculer un taux d'intérêt. On a 40% de nos concitoyens qui ne savent pas calculer un taux d'intérêt, donc c'est un travail important. Qu'on peut accomplir, et, et, et c'est un des vœux que je forme, que ça devienne quasiment obligatoire dans les cursus. Euh, autrefois, c'était que les filles, hein, c'était l'éducation ménagère, ce serait intolérable aujourd'hui. Ah, il faut que les garçons et les filles aient, aient, aient cette, cette connaissance euh, du, du jargonnage. Hein. Et alors, ce qui est formidable, notre programme est utilisé aujourd'hui dans les CFA Banques. Euh, et, et ça permet aux, aux, aux futurs jeunes banquiers d'avoir une, une bonne pédagogie, d'expliquer simplement des choses qui paraissent complexes, parce que la finance n'est pas si complexe que ça, sauf si, si on veut bien sûr enfumer les gens. Et là, on va lancer à partir du mois prochain une formation, une initiation à l'entrepreneuriat, parce que je crois aussi, nous avons beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui rêvent d'être entrepreneurs et qui feraient mieux de ne pas entreprendre et d'être salariés, d'autres qui ont du talent et qui n'osent pas entreprendre. Donc, c'est le rêve d'un monde meilleur, d'une réconciliation, parce que je viens d'une région rhénane, d'humanisme d'une certaine manière qui n'est pas. Euh, euh, de la pitié, euh, mais qui est simplement de donner à chacun la chance de, de recouvrer la dignité et d'être responsable aussi, parce qu'il y a une chose merveilleuse il n'y a, a pas de bonheur sans liberté, mais il n'y a pas de liberté sans courage. Voilà. Merci, bravo. Merci infiniment. J'ai même pas envie de. Voilà, de rajouter quelque chose. On va présenter maintenant vos opinions et vous permettre d'échanger un petit peu. Et puis on continuera à échanger ensuite, ensuite, pardon, ensuite pendant le cocktail. Alors je redonne la parole à Florent. C'est tout à fait ça. Alors d'abord, au vu de la, de la, de la table ronde, j'ai vu que pas mal d'entre vous avaient déjà répondu. Mais il euh, y a une troisième partie effectivement euh, au sondage. Donc on vous pose une troisième série de questions, toujours sur la même page, www.ledrange.fr/slash sondage au pluriel. Euh, on vous pose déjà votre la question de votre degré de familiarité avec la finance sociale et solidaire. Ça, c'est la première question. Euh, ensuite, on vous pose, pour vous, euh, si c'était vous, si vous deviez vous engager, si vous seriez plutôt euh, un entrepreneur engagé, un leader d'opinion engagé en politique euh, ou un lanceur d'alerte. Euh, et la dernière question, c'est... À quel point seriez-vous prêt, vous personnellement, à vous engager aussi pour une finance alternative Et on vous demande à quel point vous êtes prêt à vous engager pour consommer durable, pour investir solidaire, pour utiliser une banque de dépôt solidaire ou pour épargner solidaire. Euh, voilà, ça c'est la troisième série de questions qu'on vous invite à remplir. On va pouvoir projeter d'abord la deuxième série de questions qu'on n'a pas eu le temps de, de regarder tout à l'heure. Vous avez été 103 à répondre, euh, donc c'est assez, ça commence à être assez révélateur. La première question. C'est pensez-vous que l'idée d'un modèle de finance dominante fasse sens Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Alors là, c'est une ultra-majorité de oui. Il y a oui, le bleu c'est oui, et le rouge c'est oui si on parle des valeurs portées par le modèle. Euh, les deux cumulés, on est, on est à plus de 80-85% quasiment. Donc ça, c'est quand même une très franche majorité. Il y a apparemment un consensus sur le fait qu'il y a une, une, modèle, une finance dominante. Ça, c'est ce qui ressortait de la dernière table ronde. Je crois que les intervenants étaient majoritairement d'accord avec ça. Euh, la seconde question qui était, quels sont les problèmes de ce modèle dominant Alors ça, c'est intéressant. Euh, il y a quand même une grosse majorité de personnes qui sont d'accord sur une absence de régulation assez forte, sur la déconnexion avec l'économie réelle. C'est les deux premiers graphiques à votre droite. Celle qui, est, qui fait pour le coup vraiment pas consensus, même si on a quand même une majorité de désaccords, c'est la trop grande emprise de la régulation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas qu'aujourd'hui il y a une trop grande emprise de la régulation. Euh, L'absence, le, le, la, 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 le quatrième graphique qui est peut-être celui qui fait le plus consensus, c'est l'absence de critères environnementaux et sociaux dans la prise de décision. Alors là, pour le coup, il y a quasiment personne qui est pas d'accord avec ça. Et le dernier, qui est un peu plus contrasté, même si on a quand même une majorité de personnes qui sont d'accord, c'est les risques pris par la finance. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose ou peut-être à nos intervenants, si vous avez un, un commentaire à faire à chaud sur ces résultats. C'est un grand silence. <laughs> Est-ce qu'en tout cas, les intervenants de la première table ronde, vous, parce que vous étiez quand même euh, les porteurs de ce message, vous avez un commentaire particulier, rapide, que vous avez envie d'exprimer ah. Oui, c'est intéressant. Je pense que sur le sujet des risques, on peut, on peut ajouter quelque chose. Par définition, la finance consiste à prendre des risques. Après ça, il y a des risques intelligents et des risques qui sont stupides. Et de façon trop rapide, j'ai envie de définir le risque intelligent comme le risque... Qui permet d'apporter du capital à, à la vie réelle, aux gens, aux entreprises, etc. Et le risque stupide, c'est le risque euh, qui ne bénéficie à personne. Voilà. Donc, quelque part, mais c'est normal, hein, c'est l'exercice qui vaut ça. Quand on dit est-ce que le problème, c'est qu'il trop de risques ou pas assez de risques. On va pas tout à fait assez loin. J'ai souvenir dans une autre vie d'avoir longuement discuté avec les législateurs là-dessus, qui disaient, ça c'était après la crise de 2008-2009, 2007-2008, euh, ah, il ne faut plus que les banquiers prennent de risques. Mais si un banquier prend plus de risques, euh, on n'a plus de banquiers. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent du risque intelligent. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Il y a effectivement une deuxième intervention. Je complète ce que dit Thierry. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a des risques qui sont externes. Au, au, au calcul des banquiers ou des investisseurs. Ce que les économistes appellent les externalités. Par exemple, un risque qui serait lié au réchauffement climatique. Les, les, franchement, les banquiers s'en foutent. Et on peut les comprendre parce que ça va se produire progressivement, ça ne va pas les affecter durablement dans un, avant une certaine période. Donc, or, il est urgent d'agir dès maintenant. C'est ce qu'on ce qu appelle la tragédie des horizons. Hein, ce que McCarney, qui est un des, grands, un des banquiers centraux, qui a développé ça, c'est qu'on sait que ça va se produire, mais quand même, ça ne va pas se produire tout de suite, et que les investisseurs sont court-termistes, ces risques-là ne les intéressent pas, et donc c'est extérieur à leur calcul. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Peut-être que Thierry n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, il y a un problème dans le système financier par rapport à la gestion des risques. Je pense qu'il ne, ne sait pas gérer certaines catégories de risques. Et ça, c'est un vrai problème. D'où la nécessité de prendre en compte ces risques autrement que par les mécanismes de marché traditionnels. Merci. Et la troisième question, effectivement, qu'on peut regarder, qui, est, qui aurait sûrement intéressé d'ailleurs Mathieu Orphelin, euh, sur, pour vous, quelle est l'approche la plus efficace pour faire changer les choses et pour améliorer ce système dominant euh, On se rend compte qu'il y a là-dessus une, une majorité pour l'engagement politique citoyen, c'est-à-dire ONG, groupe de pression, pour engagement hors élu, et, euh, et un gros tiers pour un engagement politique institutionnel, donc via euh, élu, assemblée, euh, et une toute petite partie pour l'engagement académique, euh, travail universitaire. Vous avez recruté hein, ce soir, Dominique. <laughs> euh, si on passe, si on Majorité très <rire> <citoyen>. <rire> ça. Si on balaye très rapidement la deuxième série de réponses euh, qu'on va projeter à l'écran, donc qui correspondait au, troisi au troisième sondage, euh, on se rend compte, le temps que ça apparaisse à l'écran, euh, on se rend compte que majoritairement vous avez un, un assez grand degré de, de familiarité avec la finance sociale et solidaire. Je sens qu'en Régie, euh, la Régie sont en train de trouver le, le troisième sondage. Euh, si vous voulez, je commente la question oui, précédente. Oui, bien sûr, allez-y. Vous m'entendez Oui, d'accord. Euh, juste parce que la question de l'engagement citoyen, je pense que la seule chose qui peut faire bouger les lignes, c'est effectivement l'engagement citoyen. Et si les, des, 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 des dingues ont créé la nef il y a 30 ou 40 ans, c'est aussi en se disant qu'il y avait quelque chose à démontrer. Et que. Il y a différentes façons d'être acteur, et je pense qu'elles sont toutes justes et elles ont toutes leur place, mais qu'aussi à un certain moment, il faut être capable de démontrer qu'il y a moyen de travailler autrement. Et c'était ça l'engagement des banques éthiques c'est bien sûr d'avoir un effet qui va toucher l'ensemble du secteur bancaire en démontrant qu'il est possible de faire autrement. Et que donc, si on ne fait pas autrement, c'est qu'on le choisit aussi. Tout à fait. Et ça, si on affiche la deuxième question, si on peut descendre un tout petit peu, c'est effectivement, et si c'était vous qui deviez le faire, est-ce que vous seriez plutôt un entrepreneur engagé, un leader d'opinion engagé en politique, un lanceur d'alerte, membre d'une ONG On se rend compte qu'il y a... Quasiment 50% qui privilégieraient qui la voie de l'entrepreneuriat engagé. Euh, le reste partageant effectivement 24% lanceurs d'alerte membres d'un ONG, donc par le militantisme associatif, euh, 17% engagés en politique et 10% par leader d'opinion. Alors c'est un terme qui est assez vaste, mais donc ça confirme effectivement tout à fait ce que vous disiez. Euh, la dernière question peut-être qui est effectivement, c'est finalement est-ce que vous, vous êtes prêt à vous engager Personnellement, pour une finance alternative, on se rend compte que bah, ultra majoritairement, oui, euh, via la consommation durable, j'imagine que vous êtes déjà très nombreux à le faire, via l'investissement solidaire, euh, et un tout petit peu moins, effectivement, utiliser une banque de dépôt solidaire. Alors, il y a peut-être quelques réticences, mais si on a quand même une ultra majorité de oui, et enfin, via de l'épargne solidaire. Euh, donc, bah, bravo à vous, puisque finalement, on sent que vous êtes prêts à vous engager, vous êtes prêts à faire évoluer ce monde de la finance et la manière dont vous-même vous gérez euh, ce monde-là, euh, Eva, peut-être une réaction par rapport à. À, ces, à, ce, à cette dernière question Moi, je suis ravie euh, parce qu'on vient de m'annoncer que du coup, on a 200 nouveaux clients de plus, la nef aussi. Ah <laughs> Tout le monde va se prendre un compte nickel parce qu'on en a marre. Non, non, c'est euh, extrêmement réjouissant. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que, en fait, et, et on, on pensait avoir perdu, moi, je pensais qu'on avait, qu avait complètement perdu euh, la. Notre vision de l'engagement politique. Donc, je suis ravie de voir que, quand même, non, ce n'est pas perdu, que l'engagement citoyen est quand même toujours valorisé. Euh, on est effectivement avec des acteurs économiques. On l'a vu à plus de 80 quand même à la base. Donc, euh, c'est beau de voir que ces acteurs économiques souhaitent entreprendre. Et ce qui est intéressant, et ça a été dit par Jean-Louis, euh, et je pense que ça doit être rappelé, que l'entrepreneuriat, c'est pas que à part, c'est pas que seul, c'est pas qu'un entrepreneur à côté, c'est pas que ma success story personnellement, c'est pas que la starification de l'entrepreneur, mais c'est de l'entrepreneuriat partout dans une entreprise, quelle qu'elle soit, dans une ONG, dans même une start-up, etc. Chaque personne doit agir en entrepreneur, ça veut dire avoir sa propre responsabilité, qu'elle soit financière, comme vous le disiez, mais aussi en termes d'impact social euh, positif. Euh, voilà, donc euh, c'est ça l'entrepreneuriat et euh, et on est ravi voilà ce que je peux dire merci Ça beaucoup. Bah, ce, sera, ce sera le mot de la fin euh, merci beaucoup à tous nos intervenants d'être venus on peut les applaudir effectivement Juste sur l'organisation de l'événement alors on a pris le parti de pas poser des faire de poser des questions euh, c'était un choix qu'on a fait pour pour tester un peu le format voilà on a pris beaucoup de retard c'est la première fois qu'on fait ce type d'événement grand débat on va s'améliorer mais en tout cas merci d'avoir joué le jeu et c'était aussi passionnant merci aux intervenants on a débordé et maintenant on va pouvoir discuter et débattre ensemble au cocktail merci à vous